kumba melio gai na yo kaki kaki mongo ona yo mobiki si o epaina na ekulus onkolo byangingai mingi o bobele lenamaki o bobele lenampota onayo manananjam ongai nakumba lo kimya o bobele lenamaki o bobele lenampota onayo nananjam ongai nazwi lelo kimya onkolo yambaka kangai mobim ongai salelayo onampasi simpenali onkolo obikisibis otika nazwa nazwa sika o sika wa molinayo onkolo molimo santo ompe motema pet o tika nazwa nazwa sika o sikawa molinayo onkolo limo santo pemotemapet oyemba bolingo ngonamasi oyango kimayele kolo afuti tinamakila talo monene otika nalanda nalanda seyo seyo nananjambe onkolo tikayo Yesu solo lisusut otika nalanda nalanda se oseyo nananjambe onkolo tikayo Yesu solo lisusute Jésus divin modèle de douceur et de paix ta sainte croix m'appelle à marcher des hommes oh, dans ce sentier de grâce, de support, de bonté, oh, de bonté où tu laisses la trace de ton humilité. Oh, dans ce sentier, oh, de grâce, support de bonté, oh, de bonté où tu laisses la trace.
tu passas sur la terre dans l'ineffable amour que toute ta carrière a montré chaque. Oh Jésus, et tu dis, moi je vous aime, n'aime comme, oh enfant, faites de même, car l'amour est. Oh Jésus, et tu mon esprit se range à cette loi d'amour, pour vivre à ta louange d'un cœur droit sans détour comme toi. Je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous lisons dans Jérémie, le premier chapitre. Du verset 11 jusqu'au verset 12. La parole de Yahvé, Ilobango ya Yahvé, me fit adresser, et tindamela kingai, en ces mots. Katina malobamaye. Que vois-tu, Jérémie? Nini yango okomona Yelimia? Je répondis, Nayanulaki. Je vois une branche d'amandier. Na komona étape moko ya amandier. Et Yahvé me dit. Pe Yahvé alobi nangai. Tu as bien vu. Omona ki malamu. Car je veille sur ma parole. Jambi na ko senzela likolo na liloba nangai. Pour l'exécuter. Pona kokokisa yango. Tika nzambe oya senjela kalikulu alirubadi ya ye asopa mapambuli likulu ya litangi nangu na kombo la Yesu Kristo. Que Dieu qui fait ici sa parole déverse les bénédictions sur la lecture de la parole au nom du Seigneur Jésus Christ. Amen. Amen. Toko kibongo kobonde la bisobas. Ainsi tous nous pouvons prier. Oh.
Oyo, oko senje la kalikulu ya lirubali ya yo. Mpona koko kisa yango. Uzwa nkembo lukumu pema sanjuli. Jambi uzali nzambe moko ya solo. Oyo ayebi makambu masu. Oyo azabisika biso. Oyo yangu ya nyosu. Oyo alubaka pe asalaka. Oyo alakaka pe akokisaka. Oyo mobateli malamu. Oyo baya simi mobotoli ajalite. Jambi una bolingo. Yonde olingaka biso. Jali kotondo yonza. Nantango yo boy. Banso to telemili boso na yo. Simana boyoke. Litangi ya liloba na yo. Mitema miko pele moto. Tulenge moko lingomba bauti kosanjola. Kuyembera bonene bwayo. Kuyembera liloba na yo. Kuyemba kombo na yo. Uzanzambu ya bongi na masanjoli, obongi na kembo, na lukumu, okumama peo sanjola. Ulekibaz. Misoto zalibatu, tobotama, nakati ya lisumu, tobunga, topengwaka, yonde nchambo yomosatu. Yonde okomage mutu. Poya kubiki sabiso. Uzuankembo. Jambi yoko kokisa biraka. Biraka na yo biko kwe akate. Ojari mutu te pokosa. O tata. Nakati ya mobembo bolembu boko kiko zuama. Yepa ya moko tope mususu. Miyo zali bokasi ya mundimi. Yonde opesaka makoki ya bokobi. Yonde uzako zongi sa vigueur. Yonde uzeko renouvele force. Yonde okopesaka kapasite. Yonde oko rendre capable. Ba incapable, ba kokoma, ba capable. Yezande Ngolu na yo, eza bokasi ya mutute me ngolu. Ya mwasi mokote pe ya mubali mokote. Ya mutei mokote ya diakono mokote me ya yonzame. Na bongo nkolo, na poko ya lero, toye lisusu liboserungi na yo. Posa na biso ezali, toke bisama, tola kisama, tote ya ma na yomoko. Chambito komi na eleko oyo lubaki. Poko wako lakisa mojalani wayete. Kasibanso baku lakisama na nkolo. Tolingi kojalande bayoko lina yo. Yonde ulakisa kabiso. Po mutu mokote ayebi kulakisa lukula yo. Uleki bansu. Matondo. Mote manabiso mofungwa mapona koyamba lirakisi lia yo. Lirakisi lia yo, lijari pole ya makolo nabiso. Yangwana nkolo, toyei. Lakisa biso poto zaba yokole. Teya biso poto zaba ndimi na yo. Oteya biso, biso tondi mande yo. Boye. Dokola touti na banda kuna mikakatano mike, makono, mpe bampasi na babolembu, moko na moko na oyaye. To memeli nde yo, yo momemi ya mikumba, yo momemi ya masumu, yo yokoma lisumu pona biso. To zali kotondo yo nkolo, Zambi, sima na kosolo la na yo, nyoso to memaki toko buaka na makulu na yo. Mbete eko bima biso,
toko bima pepele. Uya yaki na bokono, akubikisa. Uya yaki na likambo songolo, akuyanulama. D'ailleurs, d'avance, tu remercies yo, Zambi, osio yanulibiso. Uye bimotema ya moko na moko, yangwana tosaliko tondo yomingi po zanzame. Chambu ya kukosa kati. Merci. Nkembu lukupe masanzoli yambango, po bonga penzandi nango. Nakumbula Yesu kura biso. Amen. Amen. Toko kikofane. Pouvons nous asseoir. Boye. Diyaka kumatisero konona mwamuke. Gabi. Boye. Ainsi. Tuzane sengo na pokwa lelo. Nous avons la joie ce soir. Na komona ndeko na biso boni. Je vois notre frère Boni. Moko ya bayembi na biso. L'un de nos chantres. Oyo akende na détachement na etuka ya Congo central. Tu étais allé dans l'attachement au Congo central. Détachement. Détachement au Congo central. Okoko telema frère. Mais tu peux te lever. Boteza. Il y a des salutations. Amen. Lubina pesiko yangana mobimba bambote na kombo ya nkolo Yesu Kristo. Amen. Alubi esengwe tondi ngai ndenge na kutani na bino. Mobembo na ngai ezapona dibala. Mukolo mwa misato selo Bible. Me mukolo mwa mibale selo Roma. De na kokoka kozonga. Est-ce que akome mabambote na biso? Amen. Nzambe ya pambula yo. Amen. Disusu na moni teku na nga ya mwasi lor. Ako, je vois ma sœur lor. Na mama Jose. La mama Jose. Sœur na biso pe kati na Christ. Notre sœur aussi en Christ. Mwana ya frère Nabiso juste l'enfant de notre Meya. Juste Meya. Oui, c'est à Bissouawa. Qui nous a déjà prêché ici. Aoutaka da France. Il venait de la France. Et moi aussi, il y a frère Justin. Et la femme Meya. De frère Justin Meya. Bango babale na pourquoi lelo. Et de ce soir. Tous à la bango. Bakoko telema. Nous sommes avec elle ici. Elles peuvent se lever. Voilà. Et ça, maman na mwana. C'est maman et l'enfant. La fille et sa maman. Bambote Isali. Y a-t-il des salutations? Hey, mokono, mokono, bagage. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que tu es là ou bien? Donc, ils ont deux noms et Koulandan. Ils ont bien malgré l'assemblée, assemblée. Ah, voilà. Donc, tozu bambote, koutana assemblée, y assemblée. Nous avons pas assemblée d'assemblée. Sablée. Ezaï Ngumba. Kuna Ngumba sablé, kuyangana ezali. De kuyangana wana, etindeli biso bambote na kombo na Yesu Kristo. Amen. Voilà. Oui, ma sœur. Amen. Amen. Na pesi bino banso bambote toluba nzambe ya pambula bino ngai ndeko na bino Jose ya kuyangana ya sable kuna na France pe lisusu nzambe apambula bino. Amen. Tuzo lisusu ezali kamunote twali lisusu zavanko ndeko moko
avec un frère. Parmi lui, mais je ne le connais frère, pas très bien. Frère, tu peux t'élever. Ouais. Que Dieu bénisse. Amen. Zamba pambo labino. Amen. Moi, c'est votre frère en Christ. Ainde konabino katina Kristo. Je réponds au nom de frère Kefa. Abianga mina kombo ya Kefa. Je proviens du grand Katanga. Nauti na Katanga munene. Après le découpage, nous sommes dans la province de Olomami. Simana découpage tozwami na ituka ya Lo. Olomami. Je suis dans le territoire de Kanyama. Azami na territoire ya Kanyama. Hier, j'ai causé avec frère Lilanga. Lobilo leke na sozola kina de ko Lilanga. Au téléphone. Nanzela singa. Parce que j'avais eu son téléphone et son numéro, ça fait longtemps. Wete na zoki numéro na ye zali tangu mulai. Et il m'a donné cette adresse. Ba pesa kingai adresse oyo. Dieu m'a fait grâce, j'ai retrouvé l'ensemble. Zamba sala kinga ngolo na kutani na koyanga. Pour le reste, que Dieu bénisse. Bona wewe tukali zamba pambo la bino. Est-ce que tu es ambi bandeko banso na esengo katina komo ankolo Yesu Kristo? Est-ce que nous accueillons tous les frères parmi nous au nom du Seigneur Jésus-Christ? Zambe apambula biso banso. Que Dieu nous bénisse tous. Deko mobali junior mwamba ya koyangana ya new Jesse na États-Unis d'Amérique. Le frère Junior Mwamba de l'Assemblée de New Jesse aux États-Unis d'Amérique. Atindeli biso bambote katina kombo ya nkolo Yesu Kristo. Nous a salué au nom du Seigneur Jésus-Christ. Deko Bulumba ya Assemblée ya Goma. Le frère Bulumba de l'Assemblée de Goma. Deko Michel Kanda ya Assemblée ya Bruxelles. Frère Michel Kand de l'Assemblée de Bruxelles. Deko François Kasusula ya Assemblée Mususu ya Bruxelles. Frère François Kasusula d'une autre Assemblée de Bruxelles. Deko François Modioko ya Assemblée ya Ottawa na Canada. Frère François Modioko de l'Assemblée d'Ottawa au Canada. Deko Piero Chibuyi ya Angleterre. Frère Piero Chibuyi d'Angleterre. Deko Ferdinand Kabongo ya Kasumbalesa. Frère Ferdinand Kabongo de Kasumbalesa. Banso batindeli biso bambote katina kombo ya nkolo Yesu Kristo. Tous nous ont envoyé des salutations dans le nom du Seigneur Jésus Christ. Balinga mikatina nkolo. Bien aimé dans le Seigneur. Lokola toyoka kyango lobi luleki. Comme nous l'avions entendu hier. Nous sommes la semence d'Abraham. Dieu qui a donné à Abraham les promesses. Les promesses qu'il a faites à Abraham. Ce n'était pas seulement pour Abraham seul. Mais na momboto na ye. Mais avec sa semence. Ezangainde na kulubangote. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Mais komamande motindo mona. Mais c'est comme ça que c'est écrit. Bonene oyo nzambe anango. La grandeur qu'a Dieu. Ezande ya bokokisi ya biraka na ye. C'est l'accomplissement de ses promesses. Nzambe. Dieu. Akokisaka iraka yoso ya pesaka. Il accomplit toute promesse qu'il a donnée. Chacune des promesses. Mokona bilaka. Jambe soka pesi akokisaka. Dieu, s'il fait la promesse, il l'accomplit. Tokotanga ngo awa na mukanda ya banjembo. Nous le lisons ici dans le livre des Psaumes. Na mokapo mwatu mukama na tukumisatu na mwambe. Au chapitre 138. Yeko mama boy. Il est écrit ceci. Jambe obiso tokondima. Le Dieu que nous croyons. Ye nantina na ye yekomama boy. Lui à son sujet, il est écrit ceci. David alobi. David dit na molongo moyambo. Le premier verset.
Je te célèbre de tout mon cœur. Je chante tes louanges en présence de Dieu. Je me prosterne dans ton saint temple. Et je célèbre ton nom. Et cela à cause de ta bonté et de ta fidélité. Notre Dieu, riche en bonté, notre Dieu, il demeure fidèle. Et c'est bien lui qui a fait des promesses. Et il est fidèle. Pourquoi? Car ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. Ta renommée, mon Dieu, s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. Par l'accomplissement de tes promesses. Le Dieu fidèle, Zambo ya sembo, quand il promet, wana ya kolaka, il accomplit. Azali koko kisa. Il n'est pas un homme pour mentir. Azali motote pona kokosa. Il est Dieu. Azali nzambe. Pour ne dire que la vérité. Pona koloba bopele solo. Car tout homme soit reconnu pour menteur. Dieu seul pour vrai. Zambo moko kaka ya solo. Il est le Dieu de vérité. La vérité sort de sa bouche. Même son livre est appelé le livre de la vérité. Le livre. Mukanda. Le livre. Mukanda ngo. Bukwango. Le, pas l'être, le livre. Ah, bukwango. De la vérité. Ya solo ngo. Et il est la vérité. Azali solo yango. Il est le véritable. Azali wa ya solo. Il est vrai. Azali ya solo. Un Dieu vrai. Zambe ya solo. Le Dieu vrai dit ce qui est vrai. Zambe ya solo akolobaka wa ya solo. Le Dieu de vérité. Zambe ya solo. De sa bouche de sorte que ce qui est vérité. Uta munoko na yeko bima bobele yango ezali solo. Père, sanctifie-les par ta vérité. Tata sansa bango ya solo na yo. Ta parole est la vérité. Zambe lo bana yo ezali solo yango. Belisusu. Et encore, en rapport avec les promesses. Nakotala la kabilaka. Tokotanga boy. Nous lisons ceci. Na Romains. Na Baloma. Chapitre 4. Mukapominei. Eko mama boy. Il est écrit ceci. Toma Paolo alobi. L'apôtre Paul dit. Solo solo. En vérité, en vérité. Par la lecture. Oui. Iyo. Likomi ya mokapominei molongo mwalibwa. Lecture du chapitre 4, verset 9. Ce bonheur n'est-il que pour les circoncis? Bomengoyo. Ezalika kapona bakata mingenga. Ou est-il également pour les incirconcis? To ezalipe pona bisute. Car Jambi, nous disons que tozali kolobete, la foi fut imputée à justice à Abraham. Kondi mango etangamaki boyenge beni na Abalama. Et mais c'était quand? Kasezaki tango nini? Quand donc lui fut-elle imputée? Na tango nini bongo yango etangamelaki ye? Cette justice boyenge beni wana.
qui s'obtient par la foi. C'était quand? Était c'est après ou avant sa circoncision? Amen. Amen. Était-ce après ou avant sa circoncision? Vous voyez? La réponse. Et yano. Il n'était pas encore circoncis. Naino akatama kingenga te. Mais il était comment? Kasazaki lo lengene. Eh bien, il était circoncis. Et bongo, azalaki esute. Voilà. C'est cela. Abraham n'était pas juif. Abala mazaki moyuda te. N'était pas non plus israélite. Azaki pete mo Israël. Abraham. Abraham. Azaki mo Yuda te. Ni Israël était. Ni israélite. Mais azaki mo Hébreu. Mais il était hébreu. Mais il était incirconcis. Il venait d'Irak. Incirconcis qu'il était. Mais il a crié Dieu. Mais il faut savoir qu'Abraham a crié Dieu. Qu'est-ce qu'il avait crié? Les promesses de Dieu. Ce n'était pas seulement croire Dieu comme les catholiques. Ou comme les Kimbang. Mais croire Dieu à la manière d'Abraham. C'est-à-dire. Et Koloba. Kundima bilaka ngo yanza. Croire les promesses de Dieu. Quelqu'un peut dire que moi je crois Dieu. Otunie. Tu le demandes. Koka kope sa preuve. Essaye un peu de donner la preuve. Et dit, je ne vole pas. Il y a beaucoup de païens, beaucoup d'incrédules qui ne volent pas. Ça ne veut pas dire qu'on dit maga. Parce que yo yibakate nde on dit maga. Parce que tu ne voles pas que tu voles. Po yo meraka makaya tende on dit maga. Tu ne fumes pas que tu crois. On meraka masanga tende on dit maga. Tu ne bois pas de vin que tu crois. Moi je n'ai pas dit vin. De l'alcool. De l'alcool. Masanga makolangisa. Ah, de l'alcool. Pour me la kangote. Et tu ne de yolobi oza mundimi. Et tu dis que tu es croyant. Hey! Non. Il y en a baike utambotama bamera atakopo mokoti. Il y en a beaucoup de bandimate. Bandimate. Ils n'ont pas crié. Aucun verre. Mais bandimate. Ils n'ont pas crié. Et en a bana basse ba basika. Il y a beaucoup de jeunes filles qui sont vierges. Mais baza ba incrédule. Mais sont incrédules. Shoki a kufi ata na bomo sekana ye akeli fe. C'est le maire même avec sa virginité, elle va en enfer. C'est ainsi dit le Seigneur. Zali yango elobi nkolo. Car Dieu dit. Zami zamba lobi. Mon juste. Oyenge benanga. Vivra par la foi. Akobi kana zela kondima. Mon juste ne vivra pas par la virginité. Parce qu'il ne commet point d'adultère. Il ne vole point. Et il sera sauvé. Non. N'oubliez pas l'histoire. Il y a jeune riche. Il est venu auprès du Seigneur. Bon maître. Il demandait mon acquisition. Mais que dois-je faire? Pour avoir la vie éternelle. Pour le salut de mon âme. J'ai toutes choses. Je ne manque de rien. Quelle richesse ai-je? Mais je manque la vie éternelle. Et pourtant, nana vie à bien. Et pourtant, j'ai une bonne vie. Vie nanga est bonga. Ma vie, vraiment, elle est bonne. Kolobaga, comme nous disons. Ah, vie à mutuana est bonga. Ah, il a une bonne vie, hein, cet homme-là. Yébelobi, mais yanga vie est bonga. Il a dit, oh, j'ai une bonne vie. Hein. Mais nazangi vie moussous. Mais je manque une autre vie.
vie bonga est incertaine. Ma vie qui est bonne, elle est incertaine. C'est une vie incertaine. Mais la vie éternelle. Mais je manque la vie éternelle. La vie certaine. Du Dieu certain. C'est ce que je manque. Mais que dois-je faire? Le donateur de la vie. Qui est lui-même la vie éternelle. Devant lui. Il lui a répondu en disant, mais tu connais la loi. Tu connais les commandements. Tu les connais. Et lui a demandé. Ces commandements, comme quoi? Mais il a dit, oh, ne vole pas. Ne commets pas l'adultère. Ne tue pas. Ne mens pas. Il lui a cité toutes ces choses-là. Des commandements. Mibeko. Qui se trouvait dans la loi. Moi, je pensais quelque chose de grave. Mais c'est tout ce que tu as cité là. Je les ai observés. Pas hier. Ils allaient lobby le quitter. Et non plus avant-hier. Pe, lobby okunate. Pas la semaine passée. Ils allaient tenir poste électrique. Ni le mois passé. To sans ele, ou bien eleka. L'année passée. To mubu eleka. Non. Te. Il y a de cela décennies. Et si le koleka bikek. C'est-à-dire quoi? Les kolobanine. Depuis ma jeunesse. Uta bolenge nangai. Il n'a pas dit depuis mon enfant. Aloba, mais c'était depuis ma jeunesse. Uta bolenge nangai. Ce sont des choses. Papa a mis mon père me levait avec ce commandement. Je les connais, je les ai observés dès ma jeunesse. Peut-être nous sommes là. Mais Yesu alubinaye, d'abord, atalié, et la Bible dit, Jésus l'aima. D'abord, Yesu atalakiye, sima, Bible est lobi, Yesu alingakiye. Alingakiye. Jésus l'aima. Il a dit, oh. C'était bon citoyen. Azali, bon citoyen. Un bon messie. Messie yamalamu. Beau, bon. Yamalamu, pe yakitok. Messie. Boutamuntu. Ah bon? Ah bon? Ok. Okay. Ah, mais il te manque quelque chose. Seulement quelque chose. Une seule te manque. Alors, pour que tu l'aies, d'abord, Yambo, tout ce que tu as là, nyonso ziwana, toute ta richesse, nyonso, tende ko paranganise yango ko kabela babola. Va distribuer-le aux pauvres. Dès qu'il se yango kabela babola. Donne cela aux pauvres. Et après tout, nyoso, viens yaka, et suis-moi. Viens et suis-moi. Yaka pe bilangai. C'est ça la voie pour avoir la vie éternelle. Ce n'est pas l'observation des 10 commandements comme les catholiques et les kimbangistes, comme les musulmans. Non, pas ça. Non, ils allaient où? On a pensé que la vie éternelle était. Cela ne procure pas la vie éternelle. Est-ce que c'est mauvais? Non, ce n'est pas mauvais, mais c'est bien. Le faire, le prêter, c'est bien. Seulement, cela ne procure pas la vie éternelle. La vie éternelle n'est pas un salaire. La vie éternelle, c'est un don. Un don. C'est gratuit. Et ce don-là, Dieu donne à celui qui a confiance en lui. Et Abraham a eu confiance en l'Éternel. Et Abraham a cru qu'il y avait pour juste vivre par la vie éternelle. Comment? Par la foi. C'est incroyable.
En croyant du cœur. C'est sa frère. Sans la foi, personne ne peut lui être agréable. Sans la foi, personne ne peut être sauvé. Dieu a donné une nouvelle loi. Et cette loi, nous devons l'obéir. C'est-à-dire la loi de la foi. On doit croire Dieu. Pas seulement croire en Dieu, mais croire Dieu dans tout ce qu'il te dit. Chacune de ses promesses, il faut la croire. Croire chacune de ses promesses. Il n'est pas un homme pour mentir. Il est Dieu pour retenir sa parole. Pour tenir sa parole. Dieu tient sa parole. Il ne la lâche point. Il la tient fermement. Il la confirme. Il l'exécute. Il est Dieu. C'est comme ça que nous croyons. Et Abraham était encore incirconcis. Et il fut agréable à Dieu. Et c'était par la foi. Avant qu'il soit circoncis. C'est pourquoi l'apôtre Paul, dans Galates 6, il pouvait dire aux Juifs, oui, il leur disait, vous croyez de ce temps-là, et aujourd'hui, de la même manière, au verset 15, car ce n'est rien d'être circoncis ou incirconcis. Ah bon? Ce n'est rien. Tu n'es rien. Si tu es circoncis, tu n'es rien. Tu n'es rien. Si tu es circoncis, tu n'es rien. Mais quelque chose. Mais qu'est-ce qu'il y a quelque chose? Ce qui est important, c'est quoi? Ce qui est quelque chose, oui, c'est d'être une nouvelle création. L'amen est faible. C'est d'être une nouvelle création. Une nouvelle créature. Et désormais, nous ne connaissons personne selon la chair. Oh, il a beaucoup étudié. Ah, tangi mingi. Il a un beau salaire. Il sort d'une famille noble. Ako bima na libota moko ya bazui. Non. Té. Nyoswana c'est zéro. Tout cela c'est zéro. Ça ne procure jamais la vie éternelle. Amen. Oh, mais c'était Mongo. Oh, Azali Mongo, t'es? Oh, on a vrai Moulouba. Ah, ça, c'est un vrai Moulouba. Oh. Congo ya solo. Un vrai Mukongo. On a Mungala. Un vrai Mungala. Ce n'est rien. Et l'autre côté. Même Moussouaïli, ce n'est rien. Même Moussouaïli, ce n'est rien. Moukongolais, ce n'est rien. Moukongolais, ce n'est rien. Nous ne connaissons personne. Personne. Nous ne sommes plus personne selon la chair. Ça, c'est fini. Hein? Ça s'est arrêté. Ça s'est arrêté. Ça s'est arrêté, c'est fini, c'est assez. Esuka. Regarde, c'est ici. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, mais c'est la Bible. La Bible dit ceci. Au verset 14. Il y a 2 Corinthiens 5. Car l'amour de Christ nous presse. Nous entrons dans les pressoirs.
Le pression de l'amour de Christ qui nous presse. Parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Et celui qui est mort pour tous, ce seul-là, qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes. C'est pourquoi personne d'entre nous ne vit pour lui-même, ni ne meurt de lui-même. Si nous vivons, nous vivons pour le Seigneur. Si nous mourons, nous mourons pour le Seigneur. Que ce soit que nous mourions ou que nous vivions, nous sommes au Seigneur. Nous lui appartenons. Et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Et il est mort pour nos péchés et il est ressuscité pour notre justification. C'est pour nos péchés, nos enfants. Ne y a Koufaki qu'il est mort. J'aime bien lire. Lisons d'abord. Romain. Baloma. C'est ici. Verset 24 et chapitre 4. C'est encore à cause de nous. À qui cela sera imputé. En nous qui croyons, comme Abraham croyait en celui qui a ressuscité des morts, Jésus notre Seigneur. Jésus notre Seigneur qui a été livré à la mort pour nos offenses, pour nos péchés, nos fautes et nos manquements, et est ressuscité pour notre justification. Voyez, frère. Et qu'il est mort pour tous. Afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes. Il faut savoir comme cela. Parce que la vie que tu vis aujourd'hui, c'est grâce à sa vie. Et beaucoup de gens ne savent pas que si tu ne manges pas, tu finiras par mourir. Et je ne dis pas que quelqu'un ne mourra pas si il mange. Il faut savoir que la vie que tu vis aujourd'hui, ici sur la terre, ah ouais, belle, telle que tu vis là, c'est grâce à une vie qui a sacrifié à cause de toi, pour toi. Il faut que ngai ekufa po yobika. Il faut que moi puisse mourir avec lui. Il faut bite kute ko ekufa po yobika. Il faut que la marrante mère pour que il faut soso ekufa po yobika. Il faut que la poule mère pour que il faut taba ekufa po yobika. Il faut que la chèvre mère pour que tu vives. Kufa. Sinon tu mourras. Il faut que moko ekufa la yo. Quelque chose mère pour toi. Yo kama ta vie eloko wana. Toi tu vas prendre la vie de ces choses là. Amen. Amen. Est-ce que ça pour les? Est-ce que c'est clair? Ça c'est physiquement. Ouais, les ailes dans autres, dans des gars autres. Et physique, c'est un type et spirituel. Physique, c'est le type de spirituel. Naturel, c'est un type et spirituel. Naturel, c'est le type de spirituel. La nature elle-même doit nous enseigner.
Parce que alors toi là, tu trembles de faim. Kufa la mort s'approche. Hein? Pas très longtemps, la poule là, il faut. Même on dit bien. Hein? Je meurs de faim. C'est la mort. Zaliwa. Njala, c'est la mort. Zala, c'est la mort. La mort. Ça t'apporte la mort. Donc il faut que quelque chose mais si à ta place pour yo vivre na vie afin que tu vives de cette vie-là. De la vie de la chose. Amen. 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 Et dans le spirituel, et quand il a fallu que le cœur a koufa. Quelqu'un meurt. Pour tous. Parce que tous étaient morts. Pour qu'il soit sauvé. Il a fallu mutuana kufela bango. Il a fallu que cet homme meure. Et vie à mutuana. La vie de cet homme. Bango bazwa yango. Puisse en avoir. C'est pourquoi bon bazobika wana. Et pourquoi c'est qui vivra. Considérer le corps ba ressuscité. Se considère comme des ressuscités. Pour ba kufa. Parce qu'ils étaient morts. Car le salaire du péché, c'est la mort. Et tous ont péché. Ils sont privés de la gloire de Dieu. État de péché, tous sont morts. Car le salaire du péché, c'est la mort. Croyez-vous cela? Mais mon juste vivra par la foi. Et il a fallu un seul meurt pour beaucoup, qu'il meurt pour tous. Amen. Amen. Même souverain sacrificateur, je crois, Anna, même le souverain sacrificateur, Caïphe, a fait prophétiser. À Sakulaki. Vous ne comprenez rien. Dans les Sanhédrin. Dans les Sanhédrin. Dans l'assemblée des anciens. Dans l'assemblée des anciens. Sanhédrin. Oui, l'assemblée des anciens. Alors, ne savez-vous pas que c'est pour votre avantage qu'un seul meurt au lieu que la nation tout entière meurt. Il faut qu'un seul meurt pour tous. Et Jean dit, il n'était pas mort pour la nation seul, mais pour réunir tous les enfants de Dieu dispersés en un seul corps. C'est le but de sa mort. Frère, c'est ici. Pour que ce ne soit pas que ce soit pas le temps dénommé des gens dans les choses de Dieu. Oh, c'est fait. Oh, frère Kalonji Moutaloba. Oh, frère Kalonji. Oh, frère Kalonji. Oh, frère Kalonji. Oh, c'est un frère Liloko. Oh, c'était frère Liloko. Oh, c'est un frère Franck. Oh, c'était frère Franck. Le frère Franck m'a tenu sur l'épaule. Frère Franck m'a tenu sur l'épaule. L'épaule gauche. L'épaule gauche. Et c'est comme il me conjurait. On était nombreux, mon colongo, devant la chair. Je crois que vous aviez suivi. Il me touchait comme ça. Il disait, non, il ne faut pas se référer à frère Franck. Il ne faut pas se référer à moi. Référez-vous à la Bible. Dans lequel je dis, je viens, comment tu me tiens que moi? J'ai compris. Parce que nous étions nombreux. Il n'avait pas un long pour nous tenir tous. C'est moi qui nous ai tenus. C'est pourquoi il m'avait tenu. Représentant mais j'étais le représentant de tous. Vous voyez, frère? Jean chapitre 12. Nous lisons ceci. C'est chapitre 11. Jean chapitre 11. Le verset 45. Plusieurs des Juifs Mingi ya Bayuda qui étaient venus vers Marie Bayaki pa Maria
et qui virent ce que Jésus, ce que fit Jésus, crurent en lui à cause de ce grand miracle de la résurrection. Il n'a même pas prié. Il n'a fait que prononcer une parole. Il n'a pas prié. Mais il n'a fait que prononcer la parole comme au commencement. Quand nous lisons la Bible, on dit « Et Dieu dit ». Et quand il disait, la chose est arrivée. Dieu ordonna. Et quand il ordonnait, la chose existait. Et quand Dieu est devenu homme, il a gardé sa nature. Il a reconnu par son fruit. C'est le fruit de Dieu, Jésus-Christ. Ce qu'il faisait là, prouvait qu'il était Dieu, manifesté en chair. Et il a appelé un mort pendant 4 jours. Il a dit Lazare. Il a ordonné. Sors. Pointre. Et Lazare existait. Azalaki. Lazare sortait. Lazare abimaki. Lazare se réveillait. Lazare alomukaki. Lazare était là debout. Azaki wana ya kotele ma. Amen. Amen. Et les Juifs étaient étonnés. Eh bayuda bakamwaki. Voyez, frère. Moni bandeko. Et ils crurent en lui. Bah, y a une consolation. Ils sont venus avec la consolation. Bah, une joie. Ils sont rentrés avec la joie. Mais Kasi. Quelques-uns d'entre eux allaient retrouver les pharisiens et leur dire ce que Jésus avait fait. Alors, les principaux sacrificateurs et les pharisiens assemblèrent le Sanhédrin. Beba falisaya bayangani sakili yangani. Likita ya bampaka. Likita ya bampaka. Et dit. Beba lobake. Bon. Que ferons-nous? Tosalani. Que ferons-nous? Tosalani. C'était un complot. Ezaki complot. Complot baganga kati. Dans les complots on ne crie pas. Complot ba mirimira kaka. Dans les complots on ne fait que mirimira. Il parle à douce voix là. Balobakande na cesse. Il parle à douce voix. Amen. Voyez-vous. Bon, ce que vous savez. Maintenant, que ferons-nous? Même tant que batonga ka moto. Ba peta katangwa te. Même lorsqu'on critique quelqu'un, on ne crie pas. On ne sait pas où il est. Moi, je le connais. À mon bal habité. Moi, c'est un Ndumba. Non, on ne fait pas comme ça. Ça, c'est lorsque vous vous disputez. Mais si c'est des critiques, ah, tu ne le connais pas. Il est telle prostitution. Il est voleur, je le connais. Oh, toi, tu parles fort. Ne parle pas à haute voix. Il va entendre. Voyez-vous? Et dire. Pe balobaki. Bon, que ferons-nous? Tosalanine. Car cet homme. Zambi motoyo. Fait beaucoup de miracles. Akosala bikamu se lebele. Attache que bato bandima kite na ninga teyaka. Même si les gens ne croient pas quand ils prêchent. Miracle, Jésus, qui mais c'est miracle, mais fin. Depuis que nous avons prêché aucun miracle. Mais pour lui, c'est terrible. Car cet homme fait beaucoup de miracles. Maintenant, que ferons-nous? Si nous le laissons faire, tout ce beaucoup de miracles, si nous le faisons faire, s'il continue ainsi, tous croiront en lui. Bonse bakoni makati na ye. Tala bo bakene kuna ko consoler Marina Marthe. Regardez ce qui était. Bazongi ba croyant na ye. Ils sont rentrés, c'est croyant. Bazongi ni biso ba si bakobi bandibi. Ba moko na bango bakabani. Quelques-uns c'était divisé. Tala ko pesa témoignage, témoignage bazo pesa wana. Quand ils ont donné témoignage. Ce n'est pas que ils ont pas créé. Ba si bandibi kati na ye. Ils avaient crié en lui. À cause de ce miracle. Nantina ya ikamu iseliwana.
Parce qu'il y fait beaucoup de miracles. Et si nous le laissons faire, tous croiront en lui et les Romains viendront détruire et notre ville, Jérusalem, et notre nation, Israël. Maintenant, lorsqu'il s'est comploté, ils ont entendu leur chef s'élever. L'un d'eux, Mokonabango, Caïphe, qui était souverain sacrificateur, cette année-là, il était la bouche autorisée pour toute la nation Bayoka. Pour que toute la nation il était une bouche autorisée pour Sanhédrin Endima. Pour que les Sanhédrins. Ce que Bimaka n'a mutu mususu. Si ça sortait, ne pouvait pas l'écouter. Dieu sait s'occuper de ses affaires. Zamba yebi kotala makamunaye. Il sait utiliser qui. Ayebi kosele la ezalanani. Dans chaque circonstance. Kati na likambo na likambo. Il connaît. Ayebi. Abi awa. Alobi ici. Atakoyo na yebi ye. Azawanga. Il est à moi. Voyez, il m'appartient. Il m'appartient. Si lui parle, on ne va pas. Maintenant, l'obéraka koya bango wana. Na sola noya bango. À l'un de leur. Akoyo kama. Il sera entendu. Écoutez. Il sera écouté. Yende akoyo kama. Il sera écouté. Yokanisi. Ba farisai bazaki ebeli. Bangananzambe bazaki ebeli. Beaucoup de sacrificateurs. Mais pourquoi n'est-ce qu'à Caïphe? Mais pourquoi seulement Caïphe? Parce que Bible est souligné. Parce que la Bible souligne. Cette année-là, c'était lui le souverain sacrificateur. Donc, le responsable numéro un de toutes les dénominations. Il était le porte-parole de toutes les églises, disons, à ce temps-là. Cette année-là, c'était lui. Et ce qui est à l'obi, l'église n'est pas là. Les églises l'écouteront. Ce qui pasteur m'a dit à l'assemblée à l'obi, et qu'on ne peut pas dire à l'assemblée, chez eux, ils ne vont pas croire cela. Mais ce qui m'a dit, nous disons à l'assemblée, ah, on a assez dans le bois pour y coquiter, on a pépéré, pépéré. Dans la vallée, ça va descendre tout aisément. C'est comme ça que Dieu fait les choses. N'a pas encore dit à ça, Kabilo. Il peut utiliser même un incroyant, un incrédule. Même un pécheur, il peut loindre de son huile qui est son esprit. Il peut recevoir l'onction divine. Il parle de la part de Dieu. L'esprit peut parler par lui. Par son canal. Mais cela n'est pas une preuve qu'il est sauvé. Le salut, c'est toujours par la foi. Mon juste vivra par la foi. Il ne vivra pas par une prophétie. Par une onction. Non. C'est toujours par la foi. Nous, c'est comme ça que nous croyons. C'est cela. Ce n'est pas Caïphe seul. Tala na Égypte. Regardez en Égypte. Njambe utilisa kinani pour la famine. Qui Dieu a utilisé pour la famine? Crise économique ya tango wana. La crise économique de ce temps-là. Njambe utilisa kinani. Qui Dieu a utilisé? Qui Pharaon. Il a utilisé Pharaon. Pourquoi? Pharaon est numéro un mondialement. Pharaon était numéro un mondialement. Égypte en Afrique, Ezaki, la grande puissance. Les gens ne savent pas que l'Égypte ici en Afrique était la grande puissance. En ce temps-là. La Tangwana. C'était la grande puissance. C'était la grande puissance. Comme les États-Unis aujourd'hui. Donc là, les États-Unis ont le lot. Beaucoup ne le savent pas. Et Dieu a utilisé cet incroyable. Pharaon. C'était comme Raïs aujourd'hui. C'est-à-dire roi, président, Mokonzi. Mokonzi. Parce qu'ici au Congo, c'est comme Raïs. Ici au Congo, c'est on voit Joseph Kabila. On voit Joseph Kabila. Le nom de l'ancien président n'était pas et n'est pas
Raïs. Raïs, c'est comme le président. C'était même pas sobriquet. Aujourd'hui, nous avons un nouveau Raïs. Il s'appelle Félix. Comment on a dit Félix? Antoine. Chilombo. Tshisekedi. C'est comme ça. Ils allaient bongo. Raïs. Si on appelle Félix, c'est le Raïs. Si aujourd'hui, tu appelles Félix, c'est Raïs. Il y a Raïs. Pas lui, lui n'est pas Raïs. Raïs, c'était Kabila. Raïs, c'était Kabila. Kabila, c'est Raïs. Kabila était Raïs. Mobutu azaka Raïs. Mobutu était Raïs. Muzi azaka Raïs. Muzi azaka Raïs. Kasabubu azaka Raïs. Kasabubu azaka Raïs. Raïs ya lelo. Raïs d'aujourd'hui. Félix. Félix. Et lui était Pharaon. Et yazaki Pharaon. Mais ça, ce n'est pas son nom, hein. Parce qu'on est comme on a été. Non, naïe zali, hein. Et son nom est là. Mais Pharaon est un titre. Pharaon, c'est un titre. C'était ça. Pharaon. Tu verras son successeur, son nom c'était Pharaon. C'est lui qui l'avait succédé, c'était Pharaon. Vous savez, lorsque Joseph est entré dans l'esclavage, il a trouvé ce Pharaon qui a fait le songe. Mais avant Babi Manaboumbo, c'était un autre Pharaon. Un autre Pharaon, il y a Yébagata Joseph. Un autre Pharaon qui ne connaissait même pas Joseph. C'est comme ça, c'est l'écriture. Tu penses que c'est toujours le premier pharaon, vous-même. Est-ce qu'il pouvait vivre 400 ans? Non, c'est impossible. Non, parce qu'Israël est passé en Égypte 430 ans. Parce qu'Israël a fait en Égypte 430 ans. 4 siècles, et trop et demi. 4 siècles et demi. Qui pouvait vivre comme ça? Après Noé. C'était difficile. Amen. Amen. Est-ce que c'est clair? C'est comme ça que nous croyons. Maintenant, quand il a dit cela, si, balobi si nous le laissons faire, balobi ce qui te tient comme ça là, tous croiront en lui. Bah, c'est quoi qu'on y et les Romains qui nous colonisent, ben baloma ouais, bah qu'on colonise biso, viendront détruire, bah qu'on y ça. Et Jérusalem est notre ville, et Israël comme biso, Israël est notre nation, et Israël est colonne biso. Eh ben l'un d'eux, Caïphe, bon, qui était souverain sacrificateur cette année-là, oui, porte-parole de toutes les églises, leur dit, vous n'y comprenez rien. Vous n'y comprenez rien. Vous ne réfléchissez pas. Vous allez cocaniser qu'il est dans votre intérêt qu'un seul meurt pour le peuple et que la nation entière ne périsse pas. C'est à votre intérêt. Un seul meurt pour le peuple. Au lieu que toute la nation périsse. Écoutez maintenant. Il y a l'obi bongo. Lui a parlé comme ça. Alobi, batobamene kaka. Et Kaifa l'obi, Kaifa. Vous savez, il a parlé. Souverain sacrificateur alobi. Souverain sacrificateur a parlé. Donc, a pesi mitindo que tobo maï. Alors, il a donné les ordres qu'on puisse les tuer. Il faut kufa kaka. Il doit mourir. Yeshua na. C'est Jésus-là. Nganganja mbokondi alobi. Le souverain sacrificateur a dit, nous devons les tuer. Nous devons les tuer. Terminé, Togo Bomaïka. Terminé, nous allons seulement les tuer. Il a quand même un mot d'ordre. Nous attendions. Il a donné un mot d'ordre. Togo Maïe. Oui, nous allons les tuer. Mais Jean, Kasiwan, qui était aigle, un croyant du Seigneur, le disciple plus aimé du Seigneur, il nous dit, oh, Zokande, Caïphe ne dit pas cela de lui-même. Mais, étant souverain sacrificateur cette année-là, l'Esprit de Dieu loigna. Et
Il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation de ta mère. Amen. Mais Caïphe, Azalaki sépulcre blanchi. Azalaki kunda tombeau blanchi. Kunda oye pakulami na pembe. Voyez frère. Moi demande. Mausolée blanchi. Mausolée blanchi. Choko kundoli na kati. C'est des ossements. Mikuwa na mikuwa. Et de pourriture. Baby polo. Il était un incrédule. Azalaki muzangi kondima. Il n'a pas cru le message. Il n'a pas cru au Seigneur. Il n'a pas cru aux promesses. Il n'a pas cru à l'Écriture. S'il croyait, il ne croyait pas selon les Écritures. Il ne croyait pas comme disent les Écritures. Il n'avait jamais eu la vraie foi pour être agréable à Dieu. Croyez-vous cela? Bonimiango. Mais il a reçu l'onction. Et il a prophétisé. Parce qu'il faut. Parce que vous voyez ces choses. On les a prophétiser. Tu peux prophétiser. La chose s'accomplit. Toi, tu penses que dans toute l'assemblée, le saint ici, c'est moi. Moi, c'est l'enlèvement vie. A juré. Si je meurs, j'entrerai au ciel. Mensonge à toi. Caïphe est mort. Malgré la prophétie, malgré que sa prophétie malgré Apakola Maka. Malgré qu'il était où ouais. Mais attaque au bongo. Malgré cela. Quand il est mort, il est descendu en enfer. Amen. Amen. Ce qui prophétie, si la prophétie ne te permet pas d'entrer en ciel, la vision aussi de même ne te permet pas. Les songes n'ont plus. Personne n'entrera au ciel parce que ses songes s'accomplissaient. Ou ses visions ne rataient pas. Ou il parlait en langue. Tope, azeko interpréter ba langue. Oui, il interprétait des langues. Nako bakisa même, tope, azeko tira ba tumaboko ba abika. Je peux même ajouter, il imposait les mains aux gens et les gens étaient guéris. Les malades étaient guéris. Abikisa maki. Par l'imposition de ses mains. Abikisa maki na maboko na ye. Ti, quand tu sagalo la te. Non, cela ne fait pas entrer au ciel. Tanga Matthieu. Li Matthieu. Chapitre 7. Chapitre 7. Voyez, en ce jour-là, beaucoup viendront et diront, n'avons-nous pas chassé les démons en ton nom, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom, comme Caïphe, ce jour-là, il viendra aussi. J'avais prophétisé et ma prophétie était accomplie. Et Judas Iscariote, lui aussi viendra ce jour-là. Seigneur, j'ai imposé les mains aux malades. Et les malades guérissaient par l'imposition de mes mains. Étaient guéris. Et le Seigneur dit, je leur dirai ouvertement, sans manger le mot, sans mettre de l'eau à la bouche, ça sera ouvertement, éloignez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu, vous qui commettez l'iniquité, mais vous connaissiez la vérité, et vous ne l'avez pas cru. Éloignez-vous de moi. Et ce sera ce jour-là. Devant le trône blanc. Beaucoup entendront cette réponse. Je ne vous ai jamais connu. Voyez. Et c'est comme l'ex-femme de frère Kalonji m'avait posé la question. Quand on faisait
une réunion de prédicateurs au salon. Et puis, elle nous suivait. Et puis, moi, j'ai dit, bon. Quand vous dites que si vous êtes baptisé du Saint-Esprit, tu iras au ciel. Mais c'est contraire à l'Écriture. Et que ce n'est pas commis. Beaucoup seront baptisés du Saint-Esprit, mais ils iront en enfer. Et un prédicateur, c'était le frère Mbuyamba, m'a posé la question. Un prédicateur, c'était frère Mbuyamba, il m'a posé la question. Est-ce que vous avez une écriture? Frère Langa, yo zili komi. Ou bien, vous avez une déclaration du prophète? Donc, vous allez dans Maloba Yamusakori. Ah oui, mais je les ai. N'a vu kase nazanango. Voici la déclaration. Dans la Maloba. Toute une prédication. Un sermon intitulé « Les oins du temps de la fin ». L'été ya mobimba, na komo ya, papa kula miyatango ya souk. Bon. Pas seulement prophète, hein? Vous allez comme ça, qualité. Mais vous avez une écriture. Quand c'est commis? Oui. L'écriture est là. L'écriture est là. Matthieu 24, 24. Matthieu 24, 24. Et aussi Matthieu 7, verset 21 à 24. Mais Matthieu chapitre 7, 21 à 24. Ce sont les écritures. Vous allez m'accorder. Vous allez confirmer ce que je vous dis. Qui confirme ce que je vous dis. Et le frère Branham a dit, le baptême dans le Saint-Esprit ne signifie pas que vous entrerez. Non, ce n'est pas ça sa signification. La signification du baptême de l'Esprit, ce n'est pas pour que vous entriez. Non, c'est seulement une puissance, une onction, pour que vous prophétisiez, vous parlez à l'âme, vous interprétez, et vous prêchez sous l'onction. C'est comme ça. Et il y en a trois notions, qui sont de même, pareil. Baptisé de l'Esprit, moins de l'esprit, rempli de l'esprit. Ça parle, ça dit la même chose. Celui qui est baptisé de l'esprit, d'office, il est loin de l'esprit. Celui qui est loin de l'esprit, il est aussi rempli de l'esprit. C'est comme ça. Il n'y a pas de différence. Et voici la différence. Ce serait à celui qui est serré. Celui qui est serré est différent des autres. Lui, c'est la garantie. Le scellement, c'est la garantie. Garantie de la résurrection. Garantie de la transmutation de son corps. Voyez-vous cela? C'est l'assurance même. Mais ce n'est pas le baptême du Saint-Esprit. Parce que tout le monde est basé là, n'avons-nous pas prophétisé? N'avons-nous pas chassé les démons? N'avons-nous pas imposé les mains aux malades? N'avons-nous pas prêché? Même enseigné sous l'onction? Ce n'est pas la garantie que tu entreras. Amen. Amen. Et ce qui compte pour que tu entres au ciel, frère, ce n'est pas l'onction, ce n'est pas le baptême de l'esprit, ce n'est pas le remplissage. Ce qui compte, c'est le salut, c'est la foi. Mon juste vivra par la foi. Mon juste ne vivra pas par le baptême du Saint-Esprit, par l'onction, par le remplissage. Il n'y a aucun passage de l'Écriture qui confirme cela. Et nous prêchons selon les Écritures, mais aussi c'est ce que nous croyons. Croyez-vous cela? Mais il faut que nous soyons remplis de l'Esprit de Dieu. Et aussi loin de l'Esprit de Dieu. Et aussi baptisés du Saint-Esprit et de feu. C'est l'Écriture. Amen. Amen. Mais tout cela doit nous trouver déjà sauvés. Parce que
Aucune de ces choses ne te sauvera. Elles à l'onction. Elles à la baptême de l'esprit. Elles à la remplissage. Elles à la beauté de l'esprit. Il faut écouter déjà aux a sauvés. Ça doit être trouvé déjà sauvé. Et mon juste vivra par la foi. Non pas par l'onction, mais c'est par la foi. Yangomoni. C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui dans les assemblées, oh, maison des dons. Oh, on a vase, vase. Ah, ça, là, ce sont des vases. Puis, je posais toujours des questions. Ah, c'est côté, mais qui n'est pas vase? Tel que je suis ici. Je suis un vase. Na vase. Oui, na so na vase était. Je n'étais pas. Na kuku, j'allais utiliser. Je ne pouvais pas être utilisé. Yo, ça va nos vases. Toi, tu es là, tu es un vase. Toi, ma vase. Nous sommes des vases. Et nous qui croyons, baby, so nous sommes des vases d'honneur. Nous allons bien bec à l'okomo. Dans la grande maison du Dieu grand. Batinanda komonene yanzambe monene. Tous à laver, nettoyer, sanctifier, mis à part pour un service. Ce que nous entendons, ce serait mal le service. Et quand le service sera là, le maître nous remplira. Il nous mettra en service par son esprit. Croyez-vous cela? Je suis un vase de terre. Et la terre est fragile. Mais regardez à la contenue. Regardez à la contenue. Ne faites pas attention au vase. Mais au à la contenue. Ce qui est dedans, c'est ce qui est important. Amen. Amen. Frère. Pandeko. C'est comme ça. Ezali bongo. Nde tondi maka. C'est comme ça que nous croyons. Yande mosute. Ce n'est pas autrement. L'apôtre dit ceci. Toma alobi boye. Il dit. Alobi. Oui, balinga mikati nankolo. Yo bien aimé dans le Seigneur. Dis l'obali ensemble. La parole de Dieu. Zambo yakoko sakate. Le Dieu qui ne ment pas. Le Dieu miséricordieux. Le Dieu bon. 2 Corinthiens chapitre 4. Au verset 7. Nous portons. Nous portons quoi? Nous portons ce trésor. Où? Dans des vases de terre. Nous portons ce trésor dans des vases de terre. Le trésor, c'est quoi? C'est la parole de Dieu dans toute sa richesse. C'est tout un trésor. Et nous la portons. Cette parole, cette richesse, c'est son âme de Dieu dans des vases de terre. Est-ce que ça peut aider? Est-ce que c'est clair? Mais ce qu'on fungoli, il n'y a pas de katiawa. Mais si tu ouvres le contenu, oh, c'est que je porte. Il n'y a pas de katiawa. C'est ce que Frank porte. Nakati na vase, nakati ya nzoto na ewa na mabele wana. Dans son corps, dans sa tête. Il n'y a pas de katiawa. C'est qui s'est trouvé à Branham. C'est un trésor. C'était un trésor. Mais ça se trouvait dans les vases de terre. Et tu viens de la terre et tu rentreras dans Mbeki la terre. Les vases de terre. Porte les trésors. C'est pourquoi nous disons nous allons dédouaner. Nous dédouanons notre trésor. Et comme nous avons dit, Mbeki à Mabele. Et même les vases de terre qui nous a amené cela. Est-ce que ça peut aller? Est-ce que c'est clair? Et c'est comme ça. Et pourquoi cela? Et pour que ce trésor de Dieu et bon, dans
dans des vases de terre. C'est afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Non pas à nous, ô Éternel. Donne gloire à ton nom. Pas à nous. Nous ne pouvons rien faire sans toi. Et avec toi, nous ferons et nous faisons les exploits. Nous sommes incapables de tout. Mais c'est toi qui nous rends. Toute capacité vient de toi. Voyez-vous cela? Dites amen. À haute voix. Amen. C'est comme ça que nous croyons. Voyez-vous. Et c'est comme ça. C'est ici. 2 Corinthiens 3. Ce n'est pas à dire que. Nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Non, nous sommes incapables de concevoir quelque chose. Et pourtant, nous avons une capacité. Mais notre capacité, au contraire, vient de Dieu. D'où vient ta capacité? La mienne vient de Dieu. Pour que je vous prêche ainsi, cette capacité ne vient pas de moi. Elle vient de Dieu. Et quand Dieu appelle quelqu'un pour qu'il soit son croyant, il lui donnera la capacité de croire. Il croira Dieu. Car la foi est le don. C'est le don de Dieu. La foi ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Et quand Dieu t'a appelé au salut, il te donnera la capacité, c'est-à-dire la foi, pour croire à ton salut. Voyez-vous cela? Si Dieu t'appelle un ministère, il te donnera capacité. Peu importe le ministère qu'il t'a appelé. Sur le ministère des prophètes, il te donnera la capacité. Yakozala prophète. D'être prophète. Il mettra en toi des visions. Tu n'as pas fermé les yeux, mais tu parce vois que tu es un prophète. Un prophète n'a pas besoin de dormir ou de fermer les yeux. Non, il est tout éveillé. Et il voit des choses. Et cette capacité ne vient pas de l'homme. Elle vient de Dieu. Quand Dieu appelle quelqu'un à exercer un ministère, par exemple, celui d'évangéliste, il lui donnera la prédication. Il prêchera l'évangile et non pas des interprétations. Il lui prêchera Jésus-Christ. Il ne prêchera pas William Branham. William Branham ne sera jamais son sujet de prédication. Mais son thème principal de sa prédication sera le Seigneur Jésus-Christ. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. Mais c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Il est le noyau de notre prédication. C'est Jésus le crucifié. Si tu appelles quelqu'un pour exercer le ministère et un docteur, je lui donnerai la capacité. Il mettra en lui l'enseignement divin. Voyez, frère, pour lui,
Il ne se débrouillera jamais. Non, ce sera facile comme bonjour. Parce que c'est l'onction qui nous enseigne. Il s'assiera sous l'onction de l'Esprit. Et le Saint-Esprit loindra tel point que lui montrera le passage de la parole pour les classer, les mettre en relation les unes les autres, les uns les autres, sur un même point, sur un même sujet, afin que le peuple comprenne et que le peuple soit enseigné, instruit dans la voix du Seigneur. Et s'il appelle quelqu'un à être un berger, il lui donnera de verts pâturages. C'est-à-dire de la nourriture spirituelle pour paître le troupeau du Seigneur. Un tel homme paissera le troupeau du Seigneur par la manne cachée et révélée, par la viande fraîche Yamobes. Alléluia. Alléluia. Par de verts pâturages. Oui, frère. Comme notre bien-aimé frère qui a été appelé par le Seigneur. C'était Simon. Yeah. Et je lui ai dit, même tu, Simon. Même tu, Simon. Alors, paix mes agneaux, paix mes brebis. Il ne pouvait pas lui dire de paître. Tu n'es pas un homme pour mentir. Tu ne demanderas à personne quelque chose s'il savait qu'il n'y l'a pas. Ah, il ne va pas te demander. Il n'est pas comme ça. Il sait que toi tu manques. Parce que nous, nous le recevons de lui. Parce qu'il n'a pas su à côté à côté. Il n'a pas encore donné quelque chose, ne va pas te le demander. Quand il a demandé à Abraham un fils unique, mais il savait que je lui ai donné un fils unique. Il savait. Il savait. Il lui a pas a souligné ton unique. Il a souligné ton unique. Mais il savait que Aza a joué unique. Je ne peux pas te demander les habits. On peut ça dans offrande. Ce qui a été donné aux femmes, c'est que tu n'en as pas. Jamais. Jamais. Il ne va pas demander. Je ne peux pas te demander le cœur. Tu sais que tu n'as pas créé avec le cœur. Tu as le cœur. Il sait que tu as le cœur. Mais tu as le cœur. Tu as le cœur. Tu as le cœur. Tu as le cœur. Mais au bout, tu as le cœur. Mais tu refuses de confier ton cœur à Dieu. Il faut le mettre en Dieu. Il faut le mettre en Dieu. Mets ton cœur en Dieu. Il faut aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ta force. Il ne peut pas te demander la force pour l'aimer s'il ne t'a pas donné de la force. Il ne peut pas te demander de l'aimer de toute ta pensée s'il n'a pas mis en toi la pensée. S'il n'a pas mis en toi l'intelligence. Voyez, frère, il est Dieu. Il sait tout. Il est Dieu. Il est partout. Il est Dieu. Et il peut tout. Oui. Oh, mon frère. Voyez-vous, frère? Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose en me venant de nous-mêmes. Notre capacité, tout ce que nous ne pouvions pas, aujourd'hui nous le pouvons. Et cette capacité ne vient pas de nous. Elle vient de Dieu. Amen. Amen.
Et aussi, Pélissus. Il dit, il nous a aussi rendus capables. Nous qui étions incapables d'être des ministres d'une nouvelle alliance. Mais aujourd'hui, il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. Aujourd'hui, nous pouvons dire, Dieu m'a rendu capable d'être ministre de la nouvelle alliance. C'est ça. Il y a eu des ministres de l'ancienne alliance. Aujourd'hui, Dieu nous a rendus capables d'être. Je suis un ministre de la nouvelle alliance. Tu es un ministre de la nouvelle alliance. Il est ministre de la nouvelle alliance. C'est Dieu qui lui a rendu capable de l'être. Et il l'est par la capacité qui vient de Dieu. Est-ce que c'est clair? Si tu regardes, tu ne peux pas devenir ministre de la Nouvelle Alliance. Mon papa n'était même pas baptisé. Il a baptisé ma couture. Voyez, frère, mais c'est le Seigneur qui m'a rendu capable d'être un petit ministre de la Nouvelle Alliance pour prêcher Jésus-Christ et Jésus-Christ le crucifié. Pour prêcher l'évangile, la bonne nouvelle, le message du salut, l'évangile éternel, l'évangile du royaume, et non pas des interprétations. Il ne m'a jamais rendu capable de prêcher des interprétations. Seulement pour prêcher la vérité de Dieu. Ceux qui ont la capacité de prêcher des interprétations, leur capacité ne vient pas de Dieu, mais elle vient du diable. Elle vient de Satan. Amen. Amen. Est-ce que c'est clair? Oui, c'est comme ça. Il nous a aussi rendu capables d'être ministre d'une nouvelle alliance. Non, l'alliance de la lettre, mais l'alliance de l'esprit. Car la lettre tue et l'esprit vivifie. Et les paroles que je vous ai dites sont vie et sont esprit. Croyez-vous cela? C'est comme ça que nous croyons. Et non pas seulement qu'il nous a aussi rendu capable d'être ministre. Mais aussi, c'est toujours le même Dieu là qui nous a donné la capacité et qui nous a rendu capable de quoi encore et en quoi encore. Vous le voici. Voici l'écriture. C'est ici. C'est ici. Et l'apôtre dit Bentoma Lobi. Oui. Iyo. Que le Dieu de paix. Hébreux 13. Verset 20. Que le Dieu de paix. Qui a ramené d'entre les morts. Le grand berger des brebis. Par le sang d'une alliance éternelle. Notre Seigneur Jésus. Vous rende capable de toute bonne œuvre. Il nous a aussi rendu capable de toute bonne œuvre. Aujourd'hui, nous avons la capacité de pratiquer de bonnes œuvres, de bonnes œuvres de la foi, de la parole. Nous pouvons les pratiquer. Et cette capacité ne vient pas de nous. C'est Dieu qui nous a rendu capable. Voyez, frère, nous a rendu capable. Un vrai croyant, Dieu lui rend capable de tout bonheur. Voyez, frère, toute bonne œuvre de la parole, de l'évangile, pour mener une vie digne à l'évangile, Dieu nous a rendu capable.
Nous étions incapables. Tel que nous disions tous, moi je suis incapable. Vous savez, un homme, lorsque Frère Branham me prêchait, il a rencontré Frère Branham. Et Frère Branham a dit qu'il a abordé un évangile. Frère Branham l'a apporté avec l'évangile. Et puis, Bill. Et cet homme-là a dit, Bill, tu sais que j'aime cette vie. Oui, bien, la ligne à cabo, moi, yo. Mais je ne peux pas. Mais je ne peux pas l'amener. J'aime ça, oui, mais je ne peux pas. Et Frère Branham a compris. Parce qu'il était un grand fumeur. Des cigarettes. Un grand fumeur. Et puis, lui, Frère Branham a dit, mais tu peux. Tu peux devenir chrétien. Moi, j'aime déjà depuis longtemps être un chrétien. Mais je ne peux pas. Et il disait, il ne pouvait pas à cause de sa cigarette. Comment je vais abandonner la cigarette? Mon Christ, la vie, mon bien. Mais pour vivre comme Christ. Une vie digne à l'évangile. Je ne peux pas. Mais Frère Branham, tu peux. Mais Frère Branham, il ne faut pas regarder à cela. Tu peux croire seulement. Et tu es possible à celui qui croit. Monsieur, tu peux croire. Crois aujourd'hui. Et tu verras. Crois aujourd'hui. Dis-moi, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, et voici de l'eau, je peux t'amener aux eaux du baptême. Je vais te baptiser au nom de Jésus-Christ. Mais Bill, la cigarette, il ne faut pas regarder la cigarette. La victoire qui triomphe du monde. La connaissez-vous? C'est laquelle? C'est notre foi. Notre foi triomphe du monde. Crois seulement. Et tu triompheras la cigarette. Le Messie a dit, bon, je crois. Et tu peux me baptiser. Et Frère Branham l'a baptisé. Et il a continué à fumer. Voyez, ils se sont séparés avec Frère Branham. Frère Branham lui a acheté un paquet de cigarettes. Frère Branham a acheté un paquet de cigarettes. Ça vous étonne, hein? Et comme Sabino. Et pourtant, c'est ce qu'il avait fait. D'abord, il a vu dans une vision que ce monsieur-là, ce frère, qui était un grand fumeur, a vaincu ce démon-là de la cigarette. Et Frère Branham l'a acheté tout un paquet. Pas une cigarette. Paquet Mobimba. Tout un paquet. A-t-il lié la poste? Il lui a envoyé par la poste. Un colis. Les gens de la poste l'ont amené. Monsieur. Courrier Nayo Ezalia. On a ton courrier ici. Abimi a joué courrier Nayo. Il est sorti, il a pris son courrier. Paquet, enveloppe Wana. Il a déchiré cette enveloppe. Paquet à cigarettes. Il a trouvé comme ça un paquet de cigarettes. Maintenant, il a dit à Frère Branham. Oh, Frère Branham. C'est déjà divorcé. Ah, Nasiliko Kabwana. Tu m'as envoyé ça en retard. Ton cabane a cigarette et cala. Nous avons divorcé avec la cigarette il y a longtemps. Et vous aujourd'hui qui prêchez, arrêtez de fumer pour que vous soyez sauvés. Vous prêchez que l'évangile. Un évangile légaliste.
Voyez, frère. Nous sommes sauvés par la grâce. Et cela, par le moyen de la foi. Si nous pouvons par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, créé en Jésus-Christ, pour devenir de nouvelles créatures. Et étant devenu de nouvelles créatures pour tes bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour que nous marchions en elles, pour que nous les mettions en pratique. Dis ces choses, réprimande, censure, corrige avec toute douceur et en amour, afin que ceux qui ont cru à Dieu pratiquent des bonnes œuvres. Et c'est ce Dieu-là qui nous a sauvés, il nous a rendus capables de toute bonne œuvre. Est-ce que vous voyez ces choses? Comment nous allons incapables? Pourquoi tu es incapable? Il y a Missala Malam. Toi, tu es croyant, mais incapable. C'est lui qui rend capable là. Oui, c'est lui qui donne la capacité. Là. Chenga yé. Mais demande-lui. Akopesa ma koki. Va te donner la capacité. Mais comment okokoka. Tu verras que tu seras capable. Il y a un papa chez nous. Qui est un grand buveur. Il chantait toujours. Tokomeka. Même avec ton problème, là, oh, moi je n'arrive pas à faire ça. Beaucoup de croyances, pleurniches. Beaucoup de croyances. C'est plein. Ils se plaignent. Il dit, mais la chose ici de la colère. Ah, j'ai tout abandonné. Mais c'est seulement la colère. J'ai tout abandonné, seulement la prostitution. Je n'arrive pas à passer nuit, moi seul, sans ah, l'homme aussi, je ne peux pas dormir comme ça. Ça ah, si la nuit tombe, la nuit. Oh, je ne peux pas. Je n'arrive pas à abandonner la chambre. Tu es incapable parce que l'homme est toujours incapable. C'est celui qui donne la capacité là. Demande-lui. Il va te donner la capacité. Et tu seras capable. Tu deviendras capable. Est-ce que c'est clair? Parce qu'au moins, il y a grâce. La grâce. Difficulté à battre les aïe, mais si grâce, c'est une grâce au fond de la grâce. Je pense que la grâce, c'est ça. Je suis sauvé par la grâce. Avec qui ça mine en Golo. Comme quelques-uns qui disent, ces jours-là, cette nuit-là, frère, sur une prostituée. Et le Seigneur m'enlèvera. C'est par la grâce que je serai enlevé. Ça, c'est du blasphème. La grâce de Dieu, qui est source de salut pour tous les hommes, qu'est-ce qu'elle fait? Elle nous enseigne. Elle nous enseigne. Pas à continuer, mais c'est à renoncer. À l'impiété. Où est l'enseignement que tu as reçu de la grâce? Grâce t'a enseigné quoi? T'as appris quoi? T'as instruit quoi? À continuer à demeurer dans ces choses? Demeurerions-nous dans les péchés? Afin que la grâce abonde? Loin de là!
Au contraire, la grâce nous enseigne à renoncer. À abandonner. À rejeter. Et à jeter. Et à vivre. Dans les siècles présents, selon la sagesse des vierges sages, selon la piété du Dieu pieux, du Dieu saint, est-ce qu'ils appelaient? Est-ce que c'est clair? C'est de cette manière que nous croyons. Grâce est mon anaka. La grâce est manifeste. Tu peux vraiment regarder un homme comme ça et te dire, ça c'est vraiment la grâce. Ah, ces garçons, je les connais bien. Je les connais très bien. Ah, mon cher. Comment tu es devenu comme ça? Alors, ils ont vu ces grâce et salimoussa. La grâce a fait le travail. Et la Et l'homme est rentré dans l'ordre. Attendez que je vous cherche là où on a vu la grâce de Dieu dans les hommes. Les actes des apôtres. Prenez les actes des apôtres. Dans Lucas. Je cherche parce que cela m'est venu tout de suite. Des fois, ma méditation, c'est pas que je viens avec la prédication à la maison. Non, tout, je trouve ça ici. Oui, je n'ai même pas un carnet de notes. Tous mes notes se trouvent ici. C'est cette Bible. C'est la Bible. Je n'ai même pas de sujets bien préparés d'avance. Attends, que ce n'est pas mal. C'est pas mal. Bien que ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas mauvais. C'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Mais moi, je n'en ai pas. Tout se trouve ici. Amen. Amen. Et cette capacité ne vient pas de moi. Au contraire, elle vient de Dieu. Il y a un frère qui m'avait demandé comment je peux prêcher comme toi. Tu viens à l'église, on lit une écriture. Si à partir de cette écriture, tu prêches. Amen. Je vais demander à Dieu. C'est ici. Je pense que c'est ici. Je ne verrai pas ça. C'est Barnabas qui a vu. Dans les actes des apôtres. Il a vu la grâce de Dieu. Ces gens sont sauvés comme Dieu. Ils sont devenus enfants de Dieu. Ils sont nés de nouveau. Ah, ça c'est la grâce. Oh Ndingolu. Ça c'est la grâce. Oh Ndingolu. Ça c'est la grâce. C'est ici dans les actes des apôtres. Chapitre 9. Si c'est dans le chapitre 9. Ce chapitre combien? Quelque part ici. Oui. Vous avez ici comment quoi? Oui. Polimbisi. Pardonnez-moi. Oulala. Ce qui chapitre 13, ce qui 14. Chapitre 13 ou 14. Oui. L'église était en paix, s'édifiant, marchant dans la crainte du Seigneur, s'accroissé par l'assistance. Non. Ngoru. La grâce de Dieu. Voilà. Yangoy. C'est ici. C'est que nous cherchons, nous avons vu ça. Acte 11. Acte 11. La Bible dit ceci. Verset 19. Le verset 19. Ceux qui avaient été dispersés. Les diasporas. Par la persécution. Par la persécution.
Persécution survenue à propos d'Étienne. Munyokoyo, utaki nantina ya Étienne. Allèrent jusqu'à Phénicie. Kino na Phénicie. Dans l'île de Chypre. Katina lisanga ya Chypre. Et à Antioche. Ben Antioche. Annonça la parole seulement aux Juifs. Kote yaka liloba bobele na bayuda. Il y eut cependant parmi eux quelques hommes de Chypre et de Cyrène qui étaient venus à Antioche s'adressèrent aussi aux Grecs et leur annoncèrent la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. La main du Seigneur était avec eux. Un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Le bruit en parvint aux oreilles des membres de l'église de Jérusalem. Et ils envoyèrent Barnabas jusqu'à Antioche. Lorsqu'il fut arrivé et qu'il vit la grâce de Dieu, qu'il vit la grâce de Dieu, il avait vu la grâce. Amona Kingolo. Il a vu la grâce. Ce n'est pas qu'il a vu la grâce venir d'en haut comme ça. Oh, grâce. Batu. Non, c'était des hommes. Batu, grâce et bigi sakawana. Des hommes que la grâce avait sauvé. Nangoru yankolo. Sauvé par la grâce. Wanande grâce. Ce sont ces croyants-là qui sont la grâce. N'aboyo bandimi pe. Et ceci aussi on crie. La grâce. C'est la grâce. Grâce aux bongo la mot. La grâce transforme quelqu'un. Moi si habité à comme mon sainte. La femme prostituée devient sainte. Soko moni moi si ya zaka habité à bongwana. Si tu vois la femme qui est prostituée transformée. Tu as vu la grâce de Dieu. Mon meli diambo ya bongwana. Infirmier de chair. Wana homo nande ngolu ango ya nzambe. Tu vois la grâce de Dieu. Simon-Pierre. Comme il prêchait. Si tu vois comment Pierre, il peut dire que j'ai vu la grâce de Pierre. Pierre n'a pas étudié la prêche. Il donnait les Écritures. Azote ça même accomplissement à ba prophète. Même l'accomplissement des prophètes. Il n'était même pas prophète. Parce que c'est ngana que veut dire ceci, que veut dire ceci. Les gens étaient troublés. Il a télémi. Il s'est levé. Belobi. Il a dit. Erikolo baté te balangui vigno. Ça ne veut pas dire qu'ils sont ivres de vin. Tous asiko ben ngonga ya misat. Parce que nous sommes contre. Ya misat de ya libwa. Nous sommes contre. Ngonga ya libwa. Ne vient mère. Est-ce que vous avez un gars à l'ibois? Tu entends? Ou troisième heure? Je crois que c'était 9 heures. Je crois que c'était 9 heures. 9 heures. 9 heures. Neuvième heure du jour. Neuvième heure du jour. C'est troisième. C'était troisième heure oui, du jour. Oui, c'était troisième heure du jour. Troisième? Oui. C'était troisième. Acte 2. Acte 2. Réalité, vérité, Zakuna et Koma. La réalité là-bas, c'est écrit. Et frère, Abibato ba melaka, po balangwa izaka na ngongo yote. Ça c'est l'heure du travail. Izango nga musala ba ke bilanga ba ke biro. C'est l'heure du travail, ils vont au bureau. Mais tanga ba uti na bilanga, ba uti na ba biro. Mais lorsque c'est qui na po kwande ba ko mele. C'est le soir qui peut voir. Et si côté? Mais ce n'est pas maintenant. Mais ani ni kasi. Mais c'est quoi alors? Abi c'est ce qu'a dit le prophète Joël. Voyez cela, c'est la grâce de Dieu. Amen. 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 Oui, frères et sœurs. Aujourd'hui, les gens ne savent pas. Ils ne savent pas. Dis seulement grâce. Grâce. Et nous ne voyons même pas cette grâce. N'Antiochia. Antioche. Mais. Merci. Barnabas a vu la grâce de Dieu. Barnabas a vu la grâce de Dieu. Il a vu la grâce de Dieu.
C'est vrai. Il y a solo. Bandimi. Ils ont crié. Par contre, mes frères en Christ. Ils sont devenus des frères en Christ. Par contre, mes sika. Ils sont nés de nouveau. C'est Dieu. Aponaka, aponaka, ti. Ne fait pas exception des personnes. Il ne regarde pas l'apparence. En tout cas, l'obiku ezaya solo. En tout cas, le salut est véritable. Na boyo pe babigisama. Que ceux-ci aussi soient sauvés. Na baela pe babigisami. Que les chrétiens aussi soient sauvés. Oh là là. Oh là là. Lorsqu'il fut arrivé. Tanguya komaki. Et qu'il y vit la grâce de Dieu. Et c'est là comment on ngolongo yanzambe. Et après quoi? Il s'en réjouit. A se pela kinango. Il s'en réjouit. A se pela kinaye. Nango. Nango nango. Nango luana. A se peli na eloko ya monagwana. Il s'en réjouit. Par contre, on se pela nanini. Mais là, je me la pona moni ngolu ya nkolo. Je me réjouis parce que j'ai vu la grâce de Dieu. Mais que Dieu a béni ses bâtiments. Ces hommes sont devenus enfants de Dieu. Ils sont changés. Eh, na moningo lwe. Oh, j'ai vu la grâce. Pourquoi je m'en réjouis? Amen. Amen. Et il les exhorta. Tous. Banso. À rester d'un cœur ferme, attaché au Seigneur. D'un cœur ferme, attaché au Seigneur. Et le Seigneur est Dieu. Et Dieu est le Seigneur. Voyez, frère. Oui. Iyo. Attachez-vous fermement au Seigneur. Attachez-vous fermement à l'enseignement, à la vraie parole de Dieu, à la Bible, à l'Écriture, à ce que Dieu a révélé aujourd'hui. Attachez-vous à notre aujourd'hui, à notre aujourd'hui, à l'Évangile éternel. À l'évangile du royaume, au message du salut, au message biblique et du temps de la fin, attachez-vous aux Écritures, fermement aux Écritures, croyez comme le disent les Écritures, croyez-vous comme le disent les Écritures. C'est de cette manière que nous croyons. Voyez, frère, c'est comme ça. C'est Dieu, Dieu saint. Vous soutenez. Pas quelqu'un d'autre. Yende. C'est seulement lui. Allez Kibango. Il est plus que tous. Allez Kibango. Il est plus que tous. Oui. Yo. Oh, Baringa Mikatinankolo. Oh, bien aimé dans le Seigneur. Car c'était Barnabas, c'était un homme de bien. Plein d'Esprit Saint. Et de foi. Et une foule assez nombreuse s'est joignir au Seigneur. Voyez, frère, ils marchèrent avec le Seigneur. Ils se joignirent au Seigneur. Ils étaient attachés au Seigneur. À la vraie parole de Dieu. C'est comme ça que nous croyons. Voyez, frère, c'est pourquoi. Frères et sœurs, comme nous avons dit la parole d'introduction, Dieu lui-même dit, tu as bien vu, Jérémie, tu as bien vu, c'est une branche d'amandier, tu as bien vu. Je te pose la question, que vois-tu, Jérémie? Et tu m'as répondu, je vois une branche d'amandier. Et je te réponds, tu as bien vu. Parce que si la réponse était contraire, n'oublie pas que moi je veille. Hein. Moi-même je veille ici ma parole. Et c'était ma parole. Dans une vision, c'était ma parole. Dans une vision, tu as vu. Alors je veille ici ma parole. Pour l'accomplir, pour l'exécuter, je veille ici ma parole. Moi je ne veille pas sur la parole de n'importe qui. Je ne veille jamais sur la parole des prêtres. Sur la parole des prêtres, de pasteurs sous régionaux. Des surveillants principaux. Non, moi je veille
tout simplement sur ma parole, la parole qui sort de ma bouche, je veille sur elle pour l'exécuter, pour l'accomplir. Moi, je ne vais pas sur les interprétations. Je défends cette doctrine. Non, ce n'est pas mon problème. Moi, je veille tout simplement sur ma parole. Car ma parole est la vérité. Et je veille sur ma parole pour l'accomplir. Dieu ne veillera jamais sur une interprétation. Non, sur une incompréhension. Non, sur une fausse doctrine. Tu es veillé tout simplement sur sa parole. Ce sera pour l'exécuter, pour l'accomplir. Et sa renommée s'est accrue par l'accomplissement de ses promesses. Dieu promet, il peut aussi accomplir. Il n'est pas un homme pour promettre et manquer la capacité de l'accomplir, manquer des moyens de l'accomplir. Dieu ne manque pas de moyens. Dieu. Et il accomplit sa parole. Il accomplit sa promesse pendant la nuit. Son fils est fini. Aujourd'hui, dans la vie de David, cette nuit même, il vous aide un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. C'est Dieu qui accomplit ça, sa promesse. Il a promis d'accomplir sa promesse, la promesse de son retour. Cette nuit-là, de Dieu dans un même lit, l'un sera pris et l'autre laissé. C'est Dieu qui accomplira sa promesse. Cette nuit-là, ce jour-là, même dans les champs, même les deux femmes qui mourront ensemble, Dieu accomplira toujours sa promesse, car il veille sur elle pour accomplir. La promesse de Dieu, c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu est aussi sa promesse. Dieu a accompli sa promesse ou ses promesses de bénédiction. De la même manière, il accomplit ses promesses de malédiction. Celui qui croit est béni et celui qui doute est maudit. Il est un Dieu qui tient sa parole. Il veille sur sa parole pour l'exécuter. Croyons à la parole de Dieu. Croyons Dieu. Il veille sur sa parole pour l'exécuter. Voyez-vous cela? Vous voyez, frère? Ce n'est pas Dieu seul qui veille. Nous aussi, nous veillons. Ses serviteurs veillent aussi. Écoutez l'écriture. Les serviteurs aussi. Écoute l'un d'eux comment il parle. Ils sont comme leur Dieu. Leur chef veille sur la parole. Sa propre parole. Pour l'accomplir. Et ceux qui l'engagent. Et aussi veille sur le trône. Il veille aussi sur la parole. Il veille aussi pour savoir qu'est-ce que Dieu leur dira. Il prête l'oreille. Amen. Amen. Tala yango. Ah, les voici. Habakkuk 2. Habakkuk Mibale. Verset 1. J'étais à mon poste. C'est Habakkuk qui parle. Habakkuk na koloba. J'étais à mon poste. Azaki na isika nanga ya musala. Et je me tenais sur le tout. Je veillais. Ce n'est pas Dieu seul qui veille. Ses envoyés aussi veillent. Je veillais. Je veillais. Je veillais. Je me tenais sur le tout. Les vrais sentinelles. Était placé sur la tour. Pas au-dessous. Mais au-dessus. Sur. L'icolo. Voyez, frère. Moni bandeko. Pourquoi? Pour nanine. Pour baza milayi. Koleka.
Ils sont géants. Ils sont plus longs de plus que tous les collègues. En hauteur. En hauteur. En milaï. Un vrai berger. Un vrai berger. Une vraie sentinelle. Une vraie sentinelle. Un vrai surveillant. Un vrai surveillant. Établi par le Seigneur. Ouais, tu as mis en colonne. Sur son peuple. Le colonne à l'ibota naï. Sur son troupeau. Le colonne à l'itonga naï. Allez, qui batonyo zona moulaï. Il est plus que tous dans la hauteur. Et à ma colonne a été. Ce ne sont pas ses pieds. Mais Njambe amène magaye. Mais Dieu l'amène. A tué le colonne et tout tout. Il le met sur la tour. Tour wana, cette tour-là, et ça ring. Oh, il y a ça clôturer la ville. Il clôture la ville. Et bah, tous sont dans la ville. Et tous sont dans la ville. Et bah, zingamine, tutuena. Ils sont entourés par cette tour. Bah, quoi, comment on a, ngamboye tututé. Ils ne peuvent pas voir au-delà de la tour. De nature. De nature. Na yé, sinjiri, a mokuse de kolabango. Et lui, surveillant, il est court comme eux. Mais par la grâce de Dieu. C'est dans Golou Nzambe. Dieu l'a appelé et il l'élève. Et il monte sur la tour. Maintenant, il voit l'assemblée en bas. Naba frère, naba soeur. Et les frères et les sœurs. Naba ango, ba il les voit en bas, sous lui. Lui, il est au-dessus. Et le corazana, du crouille et tout, à mon angambo. Il le voit de l'autre côté. Si les ennemis viennent, ils le voient. Est-ce que ça peut aller? Est-ce que c'est clair? Et à Koki même, il peut même avertir l'assemblée. Attention! Attention! Namoni bango. Je l'ai vu. Banan musika. Ils sont encore loin. Batango ba mirai mirai. Ces gens-là sont des Tope géants. Baza, mike, mike. D'autres, Tope baza mitane. Tope baza mindo. Soit ils sont noirs. Tope baza mikuse. Soit ils sont courts. Balati biramba ya boye. Ils sont habillés de telle manière. Basimi ibundeli ya boye. Ye azomona bango. Lui les voit. De loin. Musika. Parce qu'il a ça élevé. Parce qu'il est élevé. Par le Seigneur. Dans colo. Et il se tient à son poste. À côté de Manasika, il est là en train de veiller. Qu'est-ce que je veux dire? Dans cet âge, le frère Branham était vraiment élevé. Du coup, il y a mur, il y a monde entier. Sur le mur, il y a de plus que tous les prédicateurs, de plus que tous. Il faut savoir comme cela. Lui voyait des choses. Il pouvait avertir. Parce qu'il voyait des choses. Non, pas seulement parce qu'il était prophète. Il voyait des choses en vision. Voyez, frère. Même les cinq ministères que Dieu a établi dans l'église, Dieu les place sur la tour. Et il voyait de loin. Par la parole du Seigneur, par les avertissements de Dieu, par la prophétie biblique, par les visions bibliques, il voit des choses et ils peuvent avertir l'assemblée. C'est comme ça, frère. Un berger et une sentinelle qui ne voit pas les choses, c'est un aveugle. Un aveugle ne peut pas te conduire. Il a une révélation. Il ne voit pas des choses, comment ça vient. Même les événements. Il ne connaît pas. Oui, frère. Même des fausses doctrines dans les oeufs, il ne connaît pas ça. Péché, son côté de l'église. Le péché entre dans l'église, il s'endort, il ne connaît rien. Il veut y en quoi? Il ne veut pas. Il ne veut pas. Une vraie sentinelle, à quoi tu es comme abété? Sur quoi penses-tu de côté d'Akoyana? À quoi pèle la copette à ta moi? Il va crier. Azana bon pâte naïe, chauffard. Ah, il a sa trompette. Voyez, frère. Bonne bande. Ana mon pâte naïe, à quoi il a sa trompette, il va sonner. Pour Akokebisa. Pour avertir. Azana kelelo. Il a la trompette. Pour avertir le peuple. Pour avertir le peuple. C'est la prédication de l'évangile. Ils en ont comporté bien, il y a bandit, que ce sont les comportements de foi, il voit de loin.
Vous voyez, attention, bah, comme côté à l'élo, dans le vêtement à Ilié, Jésus est déjà venu. Je les entends. Là, l'Équateur, on appelle ce sont des assassins. Ce sont des assassins. Avec des machettes. Ils vont te tuer. Faites attention à ces hommes. Écoutez les l'enlèvement a eu lieu. La résurrection des morts c'est déjà, déjà passé. Ce sont des avertissements du Seigneur. Qui va nous avertir? Qui va nous le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit utilise les hommes. Le Saint-Esprit a salé la cabato. Il n'utilise que les hommes. Le Saint-Esprit n'utilise pas les gnaou. Le Saint-Esprit n'utilise pas ni les chiens. Ou les chats. Il utilise les hommes qu'il a établi dans l'église sur son troupeau. Croyez-vous cela? Et ces gens-là, comme celui que nous venons de lire. Voyez frère, Habakkuk, tu as bien entendu ce qu'il a dit. Je vais terminer, pardonnez-moi. Regardez, il dit ceci, j'étais à mon poste, je me tenais sur la tour, pas sous la tour, mais sur la tour. Je veillais. Je ne me tenais pas là pour dormir. Ni pour somnoler. Mais c'était pour veiller. Je veillais. Parce que je suis surveillant. Une sentinelle. Et qu'est-ce que je veillais? Pour voir ce que l'Éternel me dirait. Pour voir ce que l'Éternel me dirait. Pour voir ce qu'il voulait que je fasse. Ce qu'il pourrait me montrer. Et ce que je répliquerai. Après ma plainte. C'est pourquoi je veillais. Je me tenais là. Je regardais à la bouche de l'Éternel. Alléluia. Amen. Est-ce que c'est clair? Un vrai ministre de Dieu. Veille sur la parole de Dieu. C'est ici. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. C'est la parole. Ce qu'il me dirait, c'est la parole. Ce qu'il me parlait, c'est la parole. Ce n'est pas Dieu seul qui veille sur sa parole. Même un vrai ministre veille sur la parole de Dieu. Mais c'est Dieu qui nous utilise. Et la chose ne passe pas. Parce que nous veillons. Parce que toi, qu'on s'en est là. Ah, ici, il veut dire. Parce qu'on n'a pas dit tel que c'est écrit ici. Le contraire. Parce que nous veillons. Parce que toi, qu'on s'en est là. Sur sa parole. Lui-même veille sur sa parole. Et ses serviteurs aussi. Veille sur la même parole de Dieu. Pour voir ce qu'il leur dira. Ce que Dieu. Oui. Leur dira. Veille sur la parole de Dieu. Sur les Écritures. Sur la doctrine. Sur le message. Voyez frère. Et aussi, nous veillons. Les serviteurs de Dieu veillent sur le troupeau. Amen. Amen.
Est-ce que c'est clair? C'est comme ça. C'est-il dans les actes des apôtres? C'est-il dans les actes des apôtres? Au chapitre 20. Chapitre 20. Nous lisons ceci. Il leur a dit: prenez garde à vous-même et à tous les troupeaux sur lesquels le Saint-Esprit vous a établi évêque. Voyez frère, bon, 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 surveillant, sentinelle, évêque. Bon, c'est comme ça. Zali bongo. Et c'est là pour paître, pour nourrir ça. L'église de Dieu et que si qui n'est pas la vôtre. C'est l'église de Dieu et que si qui s'est acquise. Oui, a par son propre sang. Dieu est devenu homme. La parole a été faite chair. Et cela est sa contredit. C'est le grand mystère de tous les mystères. Dieu a été manifesté en chair. Et dans sa chair se trouvait le sang divin. Et Dieu a versé son sang pour s'acquérir une église par son propre sang. Voyez-vous cela? Pourquoi? Pourquoi? Parce que je sais qu'il s'introduira parmi vous, dans l'église, dans l'assemblée, parmi les croyants, après mon départ. C'est Paul qui parlait. S'introduira quoi? Des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau. Ça, c'est ceux qui pourront venir s'introduire. Baye. Baye. Et qui se lèvera. Voyez, du milieu de vous-même ici. Et quand Paul leur parla, l'assemblée n'était pas là. Il parlait aux évêques. Si tu veux comprendre, tu vas lire le verset. Cependant, des milliers, Paul envoyait chercher à Éphèse les anciens, à l'église, les anciens de l'église. Maintenant, lorsqu'ils furent arrivés vers lui, l'assemblée vous veuillez quitter Bampaka de Baïa. Et là, il y a un bateau basalien. Il donnait des conseils aux prédicateurs. Il a dit: prenez donc garde à vous-même, prédicateurs. Voyez, prenez donc garde à vous-même et à tous les troupeaux sur lesquels le Saint-Esprit vous a établi, prédicateurs, évêques, ministres, et ainsi de suite. Et cela pour paître. Ce n'est pas pour diviser l'Église, c'est pour paître. Pour paître. L'église de Dieu, le troupeau de Dieu, le brebis du Seigneur, et les agneaux du Seigneur, du bon berger. Pourquoi? Oui, car cette église qui s'est acquise par son propre sang, ce n'est pas le sang de Branham, ni de quoi encore. Le sang de Jean-Baptiste, décapité, qu'il a racheté son église. Non, mais pas son propre sang. Amen. Amen. Parce que je sais qu'il s'introduira parmi vous, vous qui conduisez, vous qui prêchez, vous qui paissez les troupeaux, s'introduira parmi vous. Quels loups cruels. On peut balobi, tous appelés à appeler. Mais on peut tout court prêcher. C'est ça. C'est ça le contexte. C'est ça le contexte. C'est ça le contexte. Et non pas seulement ça, Batu yango, tant que Bakoy mingi ça, ces hommes-là lorsque s'introduiront, après mon départ, baza ba loup cruel, ce sont des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau. Bah, il va combattre la tête, Tonga.
qui déchirera le troupeau, qui dispersera ou disperseront le brebis du Seigneur. Et parmi vous. Et c'est là, ce sont mais les autres, vous. Qui ne se lèvera du milieu de vous, de vous qui prêchez, de vous qui paissez, du milieu de vous, se lèvera. Quand il y a haute opinion, avec des révélations nouvelles, pour entraîner les disciples après eux. Vous n'avez pas besoin d'être entraîné par quelqu'un. Notre entraîneur à nous tous, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Nous n'avons pas un autre entraîneur. Que nous pouvons suivre. Yebongo ame makabiso. Yeli boso biso na simatozo landaka ye. Nous ne sommes pas des suiveurs des hommes. Donc même si je voyageais. Bozo la kabalandi nanga te. Vous n'êtes pas mes suiveurs. Ceux qui nous allaient absent. Bozo balandi ya irokote. Vous n'êtes pas les suiveurs. Balandi ya bosengete. Vous n'êtes pas les suiveurs. Balandi ya prédicateur bokote. Non. Vous n'êtes pas les suiveurs d'un prédicateur. Bokuti kana balandi ya nkolo Yesu Christ. Vous resterez les suiveurs du Seigneur Jésus-Christ. C'est comme ça. Vous allez bon. Ils ont été si maillés, mon frère. C'est pas qu'après un prédicateur. Ah, frère, nous sommes derrière eux. Oh, nous sommes derrière un toi. Fanatique. Un fanatique. Voyez, bon, et tout cela, ces hommes qui se lèveront, ceux qui se lèveront du milieu de vous, se lèveront du milieu de vous des hommes. Il ne dit pas des femmes, ce sont des hommes. Ce sont des hommes, les embrouillés. Ce sont des hommes. Les embrouillés. Un prédicateur avec qui vous étiez avec lui. Un autre langage différent. Un autre langage différent. Un langage barbare. Un langage barbare. Voyez frère, c'est-à-dire une fausse doctrine, une incompréhension, une interprétation. Il ne faut pas écouter ça. C'est comme ça. Zalibongo. Et ces gens-là, ces hommes-là, qui enseigneront des choses pernicieuses. Pour quelle raison? Mais pour entraîner les disciples après eux. Pour qu'ils aillent leurs disciples à eux. Qu'ils forment leur propre groupe. Leur propre assemblée. Leurs propres églises. Pour causer la division dans l'assemblée. Ne faut pas les suivre. Ne les écoutez même pas. Amen. Amen. Aucun jour, je vous ai entraîné après moi à me suivre. Non. Toujours je vous pointe le Seigneur Jésus. Le voici l'homme à suivre. L'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Ce n'est pas ma personne, mais c'est à sa personne, la personne de Jésus-Christ, à sa parole, qu'il nous faut tous regarder. Voyez-vous. Et il dit, veillez donc. Encore, veillez donc. Ce n'est pas quand Dieu lui-même veille. Dieu lui-même veille. Mais qu'est-ce que vous faites? Vous faites quoi? Aucun prédicateur qui peut déceler. Quelqu'un qui va enseigner des fausses doctrines. C'est seulement les fidèles ici, les sœurs et les frères. C'est seulement les fidèles ici, les frères et les sœurs. Mais on est prédicateur en quoi? Et pour ça, c'est le prédicateur lui-même qui jubile. En entendant des fausses choses. Alléluia. Alléluia. Oh Seigneur. Oh Kolo. Oh, il est surveillant quoi? Un prédicateur aveugle. Qui conduit d'autres aveugles. Et si un aveugle conduit un autre aveugle. Et tous soudés tomberont où? Dans l'abîme. C'est ainsi dit la Bible. Laissez-les. Ce sont des conducteurs aveugles. Qui conduisent les aveugles. Et tous tomberont dans l'abîme. Ils iront en enfer.
C'est ça. Zabong. Ce sont des aveugles. Un aveugle ne voit rien. C'est-à-dire, un aveugle dans la parole de Dieu, c'est quelqu'un qui n'a pas la révélation. Lui-même, conducteur, n'a pas la révélation. Ceux qui conduisent n'ont pas la révélation. C'est tous des aveugles. Est-ce que vous entendez bien? Est-ce que vous suivez bien? De tels prédicateurs, de tels conducteurs, ils existent. Est-ce qu'il veut voir? Je veillais pour voir. Mais toi, tu veillais Zanine. Tu ne vois qu'ici. Ce que tu vois, c'est seulement des fausses choses. Sinon, nous n'allons pas sortir. Je ferme la Bible. Que je ferme? Lève-nous. Il ne sera entendu, j'ai dit, bon, confirme. Si tu veux continuer, continue. Tu fermes. Merci, ma sœur. Merci, ma sœur. Que je continue un petit peu. Non. Les gens sont fatigués. Regardez cette écriture, vous allez la lire à la maison. C'est un complément de veiller. Vous aussi, il faut veiller. Jésus a dit à quelle heure il viendra. Un croyant doit veiller pour son âme. Ton âme. Pour ton âme. Toi, tu veux seulement si tu pars à l'hôpital. Il dit quel produit tu m'as prescrit. Tu n'aimes pas n'importe qui sort de campus qui ne peut se te piquer parce que tu veilles sur ton corps. C'est ta vie. Oh, toi ne vas pas me piquer. Oh, toi, me piquer. Moi, je veux le médecin qui a de l'expérience. Et Frère Branham dit, pour ce qui est de l'âme, il faut que toi aussi tu te veilles, puisque c'est ton âme. Toi, tu crois c'est l'âme de qui? C'est ta propre âme. Tu veilles pour manger quelque chose, c'est quoi? C'est ces choses-là sont pas pourries. Tu veilles, non? Pour ne pas avoir la manière, il faut observer cette prédication-là. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il prêche? Il faut veiller. Seulement, oh, il a prêché, frère. Ah, aujourd'hui, c'était terrible. Terrible, c'est-à-dire. Il devient des désordres du prédicateur en train de bouger. Regardez. Obéissez à vos conducteurs. Si je lis à haute voix, parce que c'est un ordre. C'est à l'impératif. Ce n'est pas vous pouvez obéir. Mais c'est obéissez à vos conducteurs. Et ayez besoin pour eux de la déférence, de l'amour, du respect. Pourquoi? Car vos conducteurs veillent sur vos âmes. Vos conducteurs veillent sur vos âmes. Dont ils répondront, ils rendront compte. Ils seront jugés à cause de vos âmes. Et vous devez les déférer. Les aimer. Avoir pour eux de l'affection. Prier pour eux. Il y a des bergers qui gémissent. Vous savez qu'il y a des bergers qui gémissent. À cause de l'inconduite des brebis. Qui ne coûtent pas la parole de Dieu. Ils gémissent en eux-mêmes. Quelle sorte de croyant comme ça? Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Vous pensez que Dieu est content? Vous pensez que Nzambe akosepe là? Il se plaint à cause de toi. Est-ce que c'est Dieu qui sera content? Lui, c'est plein. Est-ce que Dieu sera content? Frère Branham disait à l'assemblée, à son assemblée. Alors, on m'a acheté aujourd'hui un nouveau costume. Costume Yassika. Frère Neville? Ah, Neville?
On a fait aussi de la même manière. Pour oui. Oui. Yo. Moi j'ai le mien. Ah bien, c'est vrai. Ah, solo. Regardez. Botala. Quand les prédicateurs sont contents. Natango batei baza na isem. L'assemblée aussi est contente. Oyanga na pe. Et Dieu au ciel est content. Benzambe pena lola za na isengo. Si les prédicateurs sont mécontents, Dieu ne sera jamais content. Il ne faut pas que vous ne passe. Il ne faut pas. Parle, vous n'écoutez pas. Vous le faites pas. Avec ce qu'il faut. Tout samboué. Ceux qui ont manifesté dans la balle, nous sommes jugés. Partout. Ma frère, leurs frères. Est-ce qu'ils ont le coup malam? Nous disons les aider. Il y a malam. Benjamin a causé un content. Que Dieu sera content. Les croyants seulement ici à la. Jusqu'à Moussala, quand tu me montes en athée. Au travail, la foi. Mais mes pembes, quand tu me zagate. Les croyants, il n'y a pas de foi. Dans ma quartier, zagate. Et Dieu est content. Et il ne sera pas content. Il dit, il veille sur vos âmes dont ils devront rendre compte. Qu'il en soit ainsi. Afin qu'il le fasse. Leur travail de surveillance. Afin qu'il le fasse. Avec joie. Et non en gémissant. Mais avec joie. Oui, mais qu'est-ce que tu sautes devant ça, mais besoin d'ima. Vous savez, si besoin yamba, besoin tout ça. Oh, c'est la joie. En tout cas. Parole est au côté. La parole pénètre. Vie à ma croyance au change. La vie des croyants change. L'autre là-bas est incapable de quoi que ce soit. L'autre là-bas est incapable. Et maintenant, il est tout droit. Ça fait du joie. Ça fait la joie. C'est la joie du cœur des prédicateurs, des conducteurs, et non en gémissant. Oh, ce frère-là a volé les choses d'autrui. Frère, on a outé qu'on déflorait. Ce frère-là venait de déflorer. Une fille d'autrui. Oh, on a la sœur, et basala comme un camp. L'autre avec la sœur, ils sont des copains. Le conducteur gémit. Mais le conducteur gémit. C'est pas correct. Et l'on compagnie à Malamouté. Oh, ils sont allés dans la fête de mariage. Quand ils sont allés là-bas, ils sont dans ces. Ils sont de quelle église, de quel croyant. Et les conducteurs sont en train de gémir. C'est tout un gémissement. Soupissement dans leur cœur. Et Dieu dans les ciels gémit. Faut savoir comme cela. Et en faisant cela, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Ça sera pour votre propre perte. Vous n'aurez pas aucun avantage. Perte votre propre perte. Je te regarde. Mon frère, c'est un bandit. Comme un bandit comme ça, comment? Sœur, au bien malheur, la zone a été abouée. La sœur, la bien mal. Est-ce qu'on a été? Est-ce qu'on n'entend pas les prédications? Parce que bah, le roi Nanko. Ah, il le faut comme. Si à moi. Au côté grand de Namango. J'entrerai seulement avec la sœur. Oh, il me fera quoi? Ça gagne. Il me fera quoi? Ouais. Ah, c'est pour entendre. Qu'il entende. Est-ce que lui ne pêche pas? Bon, je m'arrête. Prions. Oh, Jam. Qu'est-ce que c'est, Zandio? Yonde, Totieri Mote. Oui, mais ma cambo, on est na kuyoka. Parce que ça dit l'obana yo et ça y a été. Yonde o l'obéli bisobas. Dans mon rôle, ça concerne. Nami longolite. Côté yeliko l'obate que yo zali exempt dans ma kamongo. Non. Je suis concerné. Je suis du nombre. Yabatou yo tu kolobé dans un pokwa lelo.
aide-moi à t'écouter, à t'obéir, à te respecter, à t'honorer, à te croire. Merci. Crois à ta parole, comme le disent les Écritures. Oh, merci beaucoup. Merci, Zab. Merci, Tata. Merci, Nkolo. Uleki, uleki, Bango. Uleki. Wana mutu ya koko kwa nana yete. Pambula, mwano ya muba. Pambula pe, uya mwasi. O pambula biso, paske, na makamumanso moto yo ako rendre biso capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de ta volonté. C'est toi-même, notre Dieu, qui a ramené le grand pasteur, le grand berger de brebis. D'entre les morts. Alléluia. C'est toi qui rends capable. Tu as rendu Moïse capable. Tu as rendu Abraham capable. Tu as rendu, ô grand Dieu, Noé capable. Ses fils capables. Sa femme capable. Ses belles-filles capables. Tu as rendu Abraham capable. Et tu as rendu Sarah capable. Et tu as rendu Élisabeth capable. Tu as rendu Marie capable. Et tu as rendu les apôtres capables. Tu as rendu William Marion Branham capable. Tu rends Ewa de Franck capable. Rends-moi aussi capable, Seigneur, de toute bonne œuvre, de vivre selon ta parole, de marcher selon les Écritures, de t'écouter et de t'obéir. Alléluia. Rends ma sœur capable. Rends mon frère capable. T'abandonner tout à cause de l'Évangile. Rends-nous capables d'être des enfants obéissants, de croyants qui croient comme le disent les Écritures. Oh, bien-aimé Seigneur, rends-nous capables de mettre en pratique la parole que nous écoutons. Nous voulons la mettre en pratique. Alléluia. Oh, Nzambe na moya. Merci. C'est toi qui renouvelles la force. C'est toi qui veilles sur nous tous. Et tu as donné aux uns, oui, la fonction de veiller sur les autres. Et tu nous demandes de veiller les uns sur les autres et rends-nous capables de cette surveillance afin que nous nous surveillions les uns sur les autres, afin que nous veillons sur ta parole, tout ce qui est prêché pour, dans tout ce que nous écoutons, Seigneur, nous devons veiller à la parole, à la vérité, à la prédication, à l'enseignement. Merci, merci, que nous ne soyons pas des croyants aveugles qui se laissent conduire par des conducteurs aveugles et que nous-mêmes, en tant que conducteurs, nous ne soyons pas des conducteurs aveugles. Seigneur, ouvre nos yeux pour que nous voyions ce que tu nous dis. Alléluia, par la parole. Donne-nous, accorde-nous la révélation de Jésus-Christ et la révélation des Écritures pour que nous prêchions Jésus, Jésus le crucifié, et nous prêchions aussi la parole révélée à un peuple élu. Merci Seigneur. Merci. Au nom de Jésus-Christ, notre divin sauveur. Bien-aimé frère Charles, dis-moi que tu peux venir prier. Et mon frère ici, qui vient du grand Katanga, tu passeras aussi pour nous donner une courte prière. Et frère Bosséni pourra clôturer. Et ensuite, je bénirai le peuple.
Seigneur, tu es notre Père qui est au ciel. Ce soir, Père, nous venons d'avoir l'information. L'information est au trône de la grâce de Dieu. L'information qui vient du trône de la grâce de Dieu. C'est une expression de ton amour envers nous. Seigneur, Seigneur, tu ne nous as rien caché. S'il arrive que ce jour-là nous soyons troublés, ça sera de notre propre faute. Parce que l'évangile est clair. Lorsque la trompette est en train de sonner, ce n'est pas que nous n'avons rien entendu. Une chose que je te demande ce soir, Seigneur. J'ai entendu, je parle avec une voix triste. Nous te demandons, donne-nous la capacité. S'il arrivait que nous venons, nous quittions donc une telle source, oui. Et que nous manquions la vie éternelle, ça sera triste pour nous. Donne-nous la capacité de savoir que ton amour, comme toi-même tu l'as dit, si quelqu'un m'aime, qu'il garde mes commandements. Abatela malakonangai. Comment nous allons nous vanter que nous t'aimons? Ici nous jetons ton commandement. Ton amour, où se trouve-t-il? Nous nous réjouissons. Pensant que nous t'aimons. Tant que nous n'avons pas mis l'ordre dans ta parole, nous ne t'aimons pas encore. Mais tu ne nous as rien caché, Seigneur. Ton serviteur est en train de se pomponner comme pour faire introduire ces choses par force. Seigneur, notre capacité vient de toi. De telles choses, tu ne les donnes qu'aux enfants. Amen. Nous devrions être des religieux si tu nous avais laissé. Des religieux. Des jeunes de 40 jours. Des jeunes de 40 jours. Des 17 jours. Des 17 jours. Mais tu nous as amenés autour de ta parole. Parce que de tous les entretiens, ce qui est plus, c'est la parole. Et des choses que tu nous nourris ici, ça montre que ce sont des choses des enfants. Surtout nos cultes du soir. Tu as dit au temps du soir, la lumière paraîtra. Et chaque soir, nous avons quelque chose. Seigneur, merci pour le banayo. Seigneur, merci pour ta parole. Aide-nous pendant que tu nous fais entendre ta parole. Que nous Amen. Arrivons au bout, à la fin de la chose. Souka ali solo, ezali lola. La fin de l'entretien, c'est le ciel. Ezalola, kaka lola te. Pas n'importe quel ciel. Mais, tu l'ingito ken enlèvement. Mais nous voulons Amen. Aller à l'enlèvement. Tu n'y as ta nouvelle Jérusalem. Pour piétiner la nouvelle Jérusalem. Pour manger à ta table. Seigneur, tu ne nous as rien caché. Un autre jour, j'ai entendu un frère me dire, nous n'allons là où nous ne connaissons pas. Il lui dit, c'est toi qui ne connais pas où tu vas. Moi, je pars à la fête. De telles prédications nous préparent nous pour aller à la fête. Seigneur, Seigneur aide-nous à nous retrouver ce jour-là. Nous avons beaucoup de choses à dire, mais le temps est court. Aide ton serviteur qui effectue un long voyage.
verset tel que tu l'as toujours, tel que les versets ne se perdent pas. Que tous les versets soient dans la tête, que tu puisses lui montrer, lui révéler cela. Que les sons des cloches puissent bien être bien entendus. Amen. Partout où il va piétiner, ouvre la voie. Parce que nous sommes contents, un tel ministère, nous ne pouvons pas seulement les retenir ici. Beaucoup de nos compagnons ont besoin d'entendre aussi ce son. Balise le chemin, Seigneur. Balise le chemin, Seigneur. Amen. Afin qu'il puisse bien voyager. Aïe, mama, partout. Qu'il soit réussi partout. Merci pour la pourquoi aller. Merci pour cette soirée. Nous rentrons tristes, mais nous avons la joie. Donne-nous la capacité, Seigneur. Nous te prions au nom du Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu. Amen. Amen. Seigneur Dieu, Kolonzambe, nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous allons kotonda yo na kozanga suka. Nous te louons et nous te bénissons. Nous t'élevons. Toi qui as toujours été élevé. Tu mérites la gloire, l'honneur, la magnificence, la principauté et le trône dans les siècles des siècles. Tu es un Dieu d'amour. Tu as permis qu'aujourd'hui nous puissions encore nous retrouver en vie. Ce n'est pas par notre force. Tu as gardé notre bonne respiration. Notre bon battement du cœur. Une bonne circulation du sang en nous. Seigneur, nous ne sommes pas plus parfaits devant les autres là qui sont aujourd'hui dans les morgues. Ils voulaient aussi être en vie comme nous aujourd'hui, qui sont debout sur nos pieds. Ils voulaient qu'ils puissent respirer comme nous respirons aujourd'hui. Mais ils sont déjà morts. Et les autres sont dans les comas, dans les hôpitaux, coincés par les maladies dans les maisons. Ils n'ont pas trouvé la grâce même de se retrouver dans les églises pour écouter de telles paroles bénies. Mais toi, tu nous as gardé en vie jusqu'aujourd'hui pour que nous puissions trouver l'occasion encore d'écouter peut-être pour la dernière fois des paroles pareilles, Seigneur Dieu. Qui sommes-nous, mon Dieu, pour écouter ces paroles bénies? Qu'est-ce que nous avions fait, Seigneur? Qui sommes-nous? Béni soit ton Saint-Nom à jamais. Toi qui as permis de nous donner l'occasion d'écouter de telles paroles venant de ta propre bouche. Parce que c'est l'insigne du Seigneur de A à Z venant de ta parole et de ta Bible. Si nous serions morts hier, avant d'hier, nous ne pouvions pas écouter cette occasion, mon Dieu, mon roi, d'écouter ces paroles. Mais tu nous as gardé encore en vie jusqu'à ce soir pour que nous puissions occasionner encore. Demain n'est pas pour nous, le lendemain n'est pas pour nous. Peut-être demain, quelques-uns parmi nous vont quitter la terre. Mais tu as voulu que nous écoutions encore cette parole aujourd'hui, que nous puissions nous préparer davantage. Sois béni, sois loué à jamais. Béni ton serviteur par qui tu nous as parlé. Béni ces dons, mon Dieu, roi. Que ces dons puissent être bénéfiques dans le monde entier pendant qu'il vit encore dans la terre. Les hommes fidèles sont devenus rares, mon Dieu, pour transmettre ta parole avec fidélité et amour, comme je viens de l'attendre ce soir. Je ne l'ai jamais écouté, mais tu as permis que je l'écoute aujourd'hui. J'ai déjà entendu son nom, mais aujourd'hui tu as permis que je l'écoute. Vraiment, mon Dieu, mon roi, tu as donné les dons aux gens.
pour encore préparer l'église épouse à aller au ciel. Avec de tels ministères, l'église ne va pas rater pour aller au ciel. Sois béni, sois loué à jamais. Nous remettons à toi. Bénis même sa maison, sa femme et les enfants. Bénis cette église qui vient d'entendre ces paroles. C'est sans excuse au jour du jugement. Sois loué, sois béni à jamais. C'est toi qui avais dit ces paroles. Soyez saints comme votre Père est saint. Et soyez parfaits comme je le suis. Mais c'est toi-même qui avais dit, sans moi, vous ne pouvez rien. C'est vrai, Seigneur, sans toi, nous ne pouvons rien. Nous sommes incapables, mais nous venons devant toi. Toi qui avais dit au bois de Calvaire que tout est accompli. Satan a écouté une parole comme explosion. Il a pensé qu'il t'avait coincé. Or, c'est la mission pour tout accomplir. Qui a accompli au bois du calvaire même notre capacité de vivre ta parole. Donne-la à nous, mon Dieu, roi. Parce que tu avais dit tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai sans mentir. Je le ferai afin que votre joie soit parfaite. Nous sommes à toi, mon Dieu, roi. Nous toquons ta porte parce que toi, tu avais dit que demander et on vous donnera. Toquer, on vous offrira. Nous toquons ta porte pour que tu nous donnes capacité de vivre ces bonnes paroles. Nous mettons à toi, mon Dieu, roi. Nous voulons sortir, conduire les pas de chacun, que ces paroles soient un sujet de méditation jour et nuit dans nos cœurs, que ceci puisse enlever à nous la distraction, que nous puissions méditer ça, mon Dieu, roi. Nous remettons à toi, toi le Dieu d'amour, nous savons que tu les feras au nom puissant de mon sauveur Christ, que je prie ici avec foi. Amen. Amen. Zambe, Tata na Nkolo na biso Jésus Christ. Dieu, Père de notre Seigneur Jésus Christ. Baseli na yo ba mutuko bondela. Tes serviteurs venaient de prier. Abanza ete ma bondeli yango ezali exaucé. Je pense que ces prières sont exaucées. Tu as inspiré tes enfants par un cantique disant sur le chemin va sans peur. Nous te prions au nom du Seigneur Jésus-Christ que tu puisses voyager avec ton serviteur. Toi, tu es l'omniscient. Sur le marche, toi, tu ne vas pas marcher, tu vas rester avec nous. Donne-nous la capacité de mettre ta parole en pratique. Si nos yeux ne voient pas, dans ton magasin, tu as la colline, que tu puisses nous rendre pour voir des choses comme voyaient les apôtres. Nous nous abandonnons à toi. Sois avec nous pendant tous les séjours qui nous restent ici sur la terre. Que chacun de nous puisse être agréable. Que nous ne puissions pas t'attrister, mais que nous puissions te plaire. Nous te remercions au nom du Seigneur Jésus-Christ. Dieu Père du Seigneur Jésus. Merci beaucoup. Nous croyons que nous tous, tu nous as bénis, et nous sommes les bénis, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir.
mikanda ya kotambola